Il disait, elle-même qui est musulmane, pourquoi elle n'est pas partie prendre un homme musulman? Et puis elle est partie prendre un homme chrétien. Parce qu'elle ne voulait pas de deuxième, troisième femme. Elle ne voulait pas. Mais elle, à son tour, là, qu'elle doit parler de son frère, là. Son frère n'a qu'à aller prendre femme dans sa famille. Que c'est ça qui est bon, parce que c'est les femmes qu'elles peuvent diriger. Donc, venez pas. Donc, c'est ça que je voulais dire à Bijou. Bijou, ça n'a rien à voir avec Facebook. Il y a plein de femmes qui vivent ce genre de situation-là depuis des lustres. Depuis des lustres. Moi, c'est parce que je suis têtue. Il y a ce genre de situation-là. Je n'ai même pas envie de me retrouver dedans parce que je me connais. Je ne vais pas faire semblant de montrer aux gens que je suis mariée pendant que je suis dans une souffrance terrible. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas accepter ça même. Que je serai avec mon homme et puis une autre femme. Il appartient encore à une autre femme. Je dois le partager avec une autre. Pourquoi? Pourquoi je dois partager mon homme avec une autre femme? Pourquoi? Je ne peux pas. Je peux pas, Bijou. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ça n'a rien à voir. C'est des choses qui sont pour moi. Je suis arrivé sur Facebook à quel moment? Je suis arrivé sur Facebook en mars. Il s'est marié en juillet. Faut quitter en Côte d'Ivoire et vous quitter en France pour aller jusqu'à en Côte d'Ivoire. C'est de l'argent. Préparer un mariage, monter le dossier, faire papier de célibat, apporter des documents. Il vit en France. Donc, c'est des démarches qui se font au moins 6 mois à l'avance. Donc, le mariage n'a rien à voir avec Facebook. Mon problème avec Kanté, ça n'a rien à voir avec Facebook. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Donc, personne n'a réussi quoi que ce soit. Personne n'a réussi quoi que ce soit. C'était le moment où on devait se séparer parce que moi, je n'allais pas accepter. Il voulait m'obliger à accepter une situation qui ne me convient pas. Je ne peux pas faire semblant à rester et souffrir. Ça veut dire que je montre aux yeux de tout le monde que ah, je suis mariée et tout. Pendant que quand je coupe ma caméra, je sais que l'homme qui est à côté de moi, il ne peut pas le supporter. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, ce n'est pas comme ça qu'une question de Dieu va apaiser mon cœur. Il n'y a pas d'apaisement à faire puisqu'il n'y a, y a rien à régler. Voilà. Il n'y a rien à régler. C'est quelque chose que je sais que je ne peux pas accepter. Quand je sais que mon homme va aller coucher avec une autre femme, et puis je suis assise là, je suis consciente, je sais qu'il est en train de coucher avec une femme, et puis j'accepte. Je ne peux pas. Moi, j'ai dit que je ne peux pas partager quelque chose avec quelqu'un. C'est pour moi, je ne partage pas avec quelqu'un. Je ne peux pas, je n'ai pas ce cœur-là. Il y a des femmes qui ont ce cœur-là. Et je salue leur bravoure. En tout cas, c'est courageux de votre part. Moi, je ne peux pas. Et puis, en plus, même, je ne gagne rien dans cette histoire. C'est lui qui profite. C'est lui qui profite. C'est lui qui a le beurre et l'argent du beurre. Et puis, moi, je suis là comme une clodo. Je satisfais ses besoins. Bon, il va là-bas aussi, on satisfait ses besoins. Il écarte ses testicules. On lape son bangala. Et puis, lui, il est heureux. Pendant qu'il ne fout rien, il ne fait rien. Et c'est nous, on doit participer, on doit payer les charges, on doit dire que la femme doit participer, la femme doit travailler, la femme doit faire ceci, la femme doit faire cela. Bon, hey, rien. Dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Donc, quand lui, il sort au pays, il a au con pour Mougou. Donc, quand moi, il est mort au pays, moi, il n'est pas pino aussi pour Mougou. Aïe. Bon, la fidélité, là, c'est dans un seul sens. Oui, en tout cas, moi, il y a des choses qu'il ne peut pas supporter. Je ne peux pas. C'est pour ça que Dieu m'a fait chrétienne. Si Dieu m'avait fait musulmane et que j'avais reçu une éducation musulmane, je peux dire que je vais accepter. Dieu ne fait pas les choses mal. Quand la nature te positionne dans un coin, viens pas chercher et dis que ah, où la nature m'a positionné là, ce n'est pas bon. Il va aller ailleurs. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter. Si je pouvais supporter, Dieu allait faire que j'allais naître musulmane et puis j'allais supporter. Parce que j'allais recevoir une éducation depuis mon bas âge qui me prédestine à ça. Je ne peux pas.
Ou téléphone de mon mari sonne, je décroche. Alors, faut me passer mon mari. Mon rien. Et puis, il dit, ah, ok, ne quitte pas, mais ça va. Les enfants, ça va. Ok, ne quitte pas. Il est là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va avoir crise cardiaque. C'est-à-dire que mon cœur va se couper. Il ne peut pas. C'est trop fort pour moi. En tout cas, ça va se faire. Il ne peut pas. Il salue les femmes qui font ça. Qui est en chapeau. Non, chapeau. Regarde pour moi, c'est possible. Chapeau. Chapeau. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il ne faut pas dire que mon cœur va s'apaiser. Néné, ou bien c'est par rapport à Facebook, je ne veux pas. Ce n'est pas par rapport à Facebook. Il y a beaucoup de femmes qui vivent. Voilà, c'est une avant-hier, on dit qu'elle est la quatrième femme. Ce n'est pas moi, c'est une deuxième femme là qui s'y passe tard. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, je ne suis pas star, personne ne me connaît. Si moi je suis deuxième femme là, ça change quoi dans la vie des autres? Moi c'est une qui est star interplanétaire. Elle est star interplanétaire, elle est jusqu'à quatrième femme. Non, il n'y a pas honte à ça, c'est pas une honte. C'est parce que je ne peux pas supporter, il ne peut pas. Il ne peut pas faire pour les autres. Je ne peux pas supporter, c'est trop lourd pour moi. En tout cas, c'est barrage qui est lourd pour moi. C'est pas que loup. Il ne veut pas vivre avec une jalousie comme ça. Il ne veut pas même. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Vraiment, il ne veut pas. Et puis, c'est, peut-être c'est moi-même, je dois l'aider à payer son billet d'avion pour partir au pays. C'est on dit, ah, que ma femme, là, ce mois-là, qu'elle a, il y a problème en Côte d'Ivoire. Comme je dois m'occuper de ma famille qui est là-bas. Bon, ton salaire, là, et tu dis que moi-même, de mon budget, je dois gérer mon budget en fonction d'une autre femme. Rien, il ne peut pas. Non, mais je ne veux pas dire des choses comme ça. Ça m'a dépassé. Mon cœur ne peut pas s'apaiser. Oui, parce que j'ai été horriblement poignardée. Mon cœur ne peut pas s'apaiser parce qu'il n'y a pas d'apaisement. Non, ne nous faites pas, ne nous obligez pas à accepter ce genre de situation. Les hommes continuent dedans. Ils laissent leurs femmes en Europe ici. Et puis, ils se marient au pays là-bas. Et puis, ils viennent te dire non, que c'est la famille. Non, c'est lui-même, hein. C'est l'éducation qu'il a reçue. Il était très mal éduqué. Parce que ça, c'est la pire infidélité. Ça, c'est poignarder quelqu'un dans ton domaine. C'est-à-dire que tu es couché ici, chez toi, tu penses que tu es marié. Déjà, il est parti, c'est marié, qui est là-bas. Ne nous obligez pas à accepter ce genre de situation. Il faut le pardonner. Pourquoi même? Pourquoi? Est-ce que ça là même on peut demander pardon pour les choses comme ça? Bon, les hommes même qui se rébellent à ce genre de femmes là, mais c'est parce que vous-même vous voulez vous suicider. Sinon une femme que tu as blessée comme ça, un lion blessé comme ça qui est couché. Toi tu reviens te mettre à la personne. Bon, si la personne t'a fait du mal, c'est que c'est de ta faute. Ça veut dire que matin tu as assis, ça veut dire qu'il est assis au salon comme ça, il a regardé la télé. Et puis alors, oui mon amour, oui, tu me manques, je vais venir le mois prochain. Eh oui, ta co-épouse elle est là. Il ne peut pas supporter. Hein? Il ne peut pas le payer. Il ne peut pas. Vous voyez, il ne peut pas. Non, vous, les femmes, vous êtes fortes. Il ne peut pas. Éduquons nos enfants garçons. C'est vraiment important pour ne pas que les femmes vivent ce genre de situation-là. Parce que c'est nous qui sommes les mères. Et c'est nous qui nous plaignons du comportement des garçons. Mais c'est quelle éducation on donne à nos enfants pour que demain ils puissent grandir et maltraiter la gente féminine? Je sais que vous êtes beaucoup dans mon cas, même les femmes musulmanes, même elles sont beaucoup dans mon cas aussi. Elles-mêmes, elles en souffrent plus que nous. Il y a des femmes aussi qui sont élevées dans la culture musulmane, qui n'acceptent pas des deuxièmes femmes, il y en a beaucoup. Elles aussi, elles en souffrent comme pas possible. Mais si on ne veut pas donner une éducation à nos garçons, on va continuer dans ce système-là. On va continuer dedans. Jusqu'à les femmes même qui sont riches, les femmes qui ont l'argent, les femmes qui ont eu de la hauteur, les femmes qui arrivent à se défendre toutes se sont obligées d'aller être deuxième, troisième, quatrième femme. Parce qu'il n'y a plus le choix. C'est devenu la norme. C'est devenu. Voilà. Tu vois comment? D'après les femmes, le culot des garçons augmenté. Tu es obligé de prendre ça comme ça. Et toi, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas prendre les choses comme ça. On ne peut pas se morfondre dans une relation ou bien dans un amour. On dit, hey, si elle le laisse là, les gens vont se moquer de moi. Je ne suis pas mariée. Quand j'ai parlé, on dit, oh, tais-toi. Toi, tu n'es pas mariée. Il n'y a pas d'homme dans ta vie. Il faut te taire. Tu es une pute. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis l'homme l'est parti. Il fallait rester à lui.
Les femmes sont obligées de supporter ça comme ça. Et puis si elles ont dans leur foyer, elles sont... elles ont cancer du col de l'utérus. Moi, j'appelle ça cancer du col de l'utérus. Ça veut dire que tu es dans le foyer et puis toi seul, tu souffres. C'est-à-dire que tu souffres d'une frustration extrême. D'un dégoût de la vie extrême. D'un dégoût de la vie extrême. Quand une femme veut être polygame, elle sait qu'elle a le cœur pour supporter. Parce que tout le monde n'est pas la même chose, comme je le répète. Mais quand une femme ne veut pas, ni en les hommes, ne les obligez pas. Parce que vous allez vivre dans l'horreur. Revoyez votre éducation. Si vous-même, vous pouvez vous éduquer. Parce que nous, les femmes, peut-être on ne sait pas donner une bonne éducation. Essayez de vous éduquer vous-même. Parce que c'est, on en souffre, hein. On en souffre de la mauvaise éducation des hommes. C'est-à-dire qu'une femme est enceinte, c'est de sa faute. C'est-à-dire que toi qui as usine de spermatozoïdes, et puis c'est toi qui donnes spermatozoïdes pour enceinter là. Toi, tu prends ton spermatozoïde, tu donnes à quelqu'un, et puis tu dis que c'est la personne qui est responsable de ça. C'est ton spermatozoïde qui est là-bas. Comment c'est à faire pour arriver là-bas? Pourquoi tu allais mettre ça là-bas? Et puis tu avais t'asseoir qu'elle m'a piégé, je ne voulais pas lancer. Mais il fallait garder ça dans ton pantalon. Il fallait garder ça dans ta culotte. Ou bien tu prends les précautions nécessaires. Ce n'est pas elle de prendre ses précautions. Vous êtes deux individus, deux personnes. Si toi tu n'as pas envie d'enceinter, tu ne peux pas enceinter. Pourquoi toi tu n'as pas envie d'enceinter? Et puis toi tu dois enceinter quelqu'un. Et puis tu dis que c'est de la faute de la personne. Non, les mamans, on doit éduquer nos garçons. Hein. On doit éduquer nos garçons. Il faut qu'on éduque nos garçons. Parce que là, où on s'en va là, c'est pas bon. Le syndicat des garçons, maintenant même, ils ont donné tarif même. 2000 francs transport, point bas. D'où tu viens? Bah, ils se disent qu'on va accepter, on n'a pas le choix. Les kilos des garçons ont augmenté. On doit faire syndicat des femmes aussi. Hein, parce que là, ça commence à devenir du n'importe quoi. Il y a des filles qui vont voir leurs gars, elles couchent avec leurs gars, et puis il y a leurs gars qui les obligent à coucher avec leurs amis. Et ça, on va dire que c'est la fille, c'est une chaudasse, c'est une pute. En tant que c'est de mauvais garçons. Une fille qui a porté sa jupe mini, elle passe, et un gars qui la récupère, qui abuse d'elle, il dit elle voulait pour qu'elle s'est habillée comme ça. Et il y a toujours des gens pour justifier ce genre d'acte. Que c'est une chaudasse, celle qui voulait. Éduquons nos garçons, c'est vraiment très important. On va améliorer un peu notre société. Les garçons n'ont qu'à savoir que les femmes aussi ont quelque chose dans les têtes. On n'est pas débile. Même si on veut téléphone iPhone, ça ne signifie pas qu'on est débile. Ça ne signifie pas qu'on est débile. Éduquons nos garçons. Nos garçons aussi doivent apprendre à prendre des précautions. Ils doivent apprendre à être responsables. Il ne peut plus. Allez, où est-ce que ça va? Je suis gâté. Ils doivent apprendre à être responsables. C'est vraiment très important. Pour qu'on puisse améliorer un peu notre société. La société dans laquelle on vit. Parce que vraiment, rien. Non, les garçons, c'est du n'importe quoi. Les garçons, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Les garçons, c'est du n'importe quoi. C'est pas quand t'es seulement, ils sont beaucoup. Hein. Ah, il faut dire tout, c'est pas des... Ils sont plus simples. Moi, j'ai pris mes pieds, j'ai fait pied en courant. Les garçons font n'importe quoi. Ils sont courageux, ils font ton cœur. C'est-à-dire que deux fois, même ton gars tente de tromper, non? Et puis, tu expliques aux gens. Les gens disent que c'est pas grave, ma chérie. Tous les garçons sont comme ça. Oh. Faut laisser. C'est comme si tu allais dans le feu. Et puis les femmes, elles ont été luttées. Et puis le gars, il est là, il est content. Comment on peut être aussi méchant comme ça? Elle, on aime, ou bien c'est l'autre, on aime, ou bien c'est la première, on veut, ou bien c'est la deuxième, ou bien c'est la troisième, ou bien. Tu as quoi sur ma perruque? Hé, c'est ma perruque, hein? Arrivé un moment.
Les garçons doivent apprendre à prendre leurs responsabilités. Tout n'est pas de la faute de la femme. Voilà. Si une femme n'a pas pris ses précautions et que toi tu as pris tes précautions, tu ne vas pas l'enceinter. C'est clair. Si une femme n'a pas pris ses précautions, elle est partie porter sa jupe mini et que toi tu as vu que c'était une dévergondée, c'était une chaudasse, tu peux t'imaginer aussi qu'elle a plein de maladies dans son corps et puis elle n'est pas allée la toucher. Mais non, non, hein. Toi tu vas aller la violer. Nous, on doit éduquer nos enfants, c'est vraiment important. Un garçon bien éduqué, c'est vraiment très important. Hein? Les papas, éduquez vos garçons. T'en fous de toi, hein? Toi, tu ne veux pas l'autre veut. Et puis ça continue. Ça va, l'autre aussi vient prendre la place, ça ne va pas, ça va, l'autre aussi. C'est comme ça. Quand il va vieillir, il va appeler que combien de femmes, c'est 90 femmes. C'est 100 femmes quand il est content. Donc là, donc là, allez dire à Bijou, ou bien dites à Bijou que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Voilà, elle a été choquée du comportement de la soeur de Kanté. Mais c'est tout à fait normal. Si on a reçu une mauvaise éducation d'une mère, c'est tout à fait normal quand on ait des enfants comme ça. Voilà. Moi, je suis arrivée chez elle, j'ai fait, je sais pas, un mois ou deux mois, pas plus. Elle ne me payait pas, je m'occupais de ses enfants, je nettoyais sa maison, je faisais tout, 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 tout. Je suis partie de chez elle. Oui, je suis partie de chez elle parce que son frère n'arrêtait pas de m'emmerder. J'ai préféré dormir dans la rue que de coucher avec un homme dont je n'avais pas envie. J'ai préféré partir et puis dormir dans la rue que de coucher avec un homme que je ne voulais pas. Et elle, comme elle avait besoin de moi pour être sa boniche, oui, comme elle avait besoin de moi pour être sa boniche, et comme son frère qui a déjà deux femmes et que ça ne le suffit pas, il vient d'arriver en France, il va profiter d'une bléda qui vient d'arriver. Voilà. Donc, comme voilà, il voulait que voilà, Patty dit à sa soeur que voilà, je traîne peut-être avec son mari qui n'avait pas de yeux pour moi. Il ne me voyait pas. Il était amoureux de sa femme. Et c'est sa femme qui était une prostituée qui passait son temps à faire n'importe quoi. À sortir tard dans la nuit, à fumer, à boire. Son homme, le père de ses enfants, c'est un musulman. C'est pas un musulman, c'est un chrétien. Pourquoi elle n'a pas pris un musulman? Elle sait qu'elle doit aller prendre femme musulmane pour son frère. Bon, bref. Voilà. Maintenant, je suis partie de chez elle. Moi, je suis partie de chez elle. Elle m'a appelé pour me demander pardon au téléphone, pleurniché. Elle dit, je reviens s'il te plaît. Je vais te payer 600 euros par mois. Elle dit, ah donc tu pouvais me payer quand j'étais chez toi. Ah, tu ne me payais pas. Hein? Et c'est là-bas, je faisais le ménage, je m'occupais de tes enfants, je faisais tout gratuitement. Maintenant que j'ai décidé de partir chez moi, de chez toi, là, non de revenir, toi tu vas me payer un salaire. Elle dit, bon, ok. Tu m'as hébergé, tu m'as accueilli. Moi, je suis reconnaissante. Je n'ai pas de problème, je ne travaille pas. Donc, chaque matin, je vais prendre mon train. Je vais arriver chez toi. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et je prends mon train. Je rentre chez moi. Elle me dit non. Que si je fais les va-et-vient, ça ne va pas l'arranger. Et qu'elle veut que je vienne habiter chez elle. Bon, quelqu'un qui est sorti avec ton frère. Quelqu'un qui est sorti avec ton mari. Quelqu'un qui est sorti avec ton père. Puisque tu es parti certifié, non. Pour quelqu'un qui a fait tout ça, pourquoi tu demandes pardon à la personne de revenir chez toi et que tu as payé la personne un salaire tous les fins du mois? Pourquoi? Pourquoi? Si c'est une mauvaise fille. C'est parce que je n'ai pas envie, je n'ai pas voulu me plier à vos caprices. Parce que je ne suis pas une belle soeur lèche-cul ou bien une belle soeur lèche-botte. Je ne pleurniche pas pour avoir un homme. Je ne suis pas au service de ma belle famille. Oui, je ne suis pas au service de ma belle famille. Voilà. Si je sors avec ton frère, je suis dans mon frère, je suis tranquille. Tu n'es pas obligé de m'appeler et me dire des choses que je dois respecter. Moi, je n'écoute pas conseil de quelqu'un. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me diriger. Ils le savent très bien. Et tous, ils savent. Quand je ne suis pas modèle de femme ou belle-sœur parle et puis elle dit oui, j'ai compris là. Moi-même, je ne t'appelle pas. Tu es ma belle-sœur, mais je ne vais jamais t'appeler. Je ne vais jamais chercher à te voir même. Tu ne m'intéresses pas.
Tu m'intéresses pas. Je ne vais jamais, au grand jamais, chercher à te voir. Même mes propres belles-sœurs, côté même de mes propres frères, je ne cherche pas leurs femmes. Je cherche. Et chacun vit sa vie. Quand on s'est rencontré dans la famille, ça va, bisous et tout. Ici dans mon coin. Tu m'as appelé, on discute. Tu m'as pas appelé aussi, il ne veut pas t'appeler. Peut-être qu'il me rappelle, hey, alors on dit quoi, ça va. Sinon, je ne suis pas les belles-sœurs, modèles des belles-sœurs qui s'accrochent et qui vit au dos de son frère ou bien qui vit au dos de ses beaux-parents. Je ne suis pas belle-sœur qui tisse amitié avec les parents de son mari. Je suis chez moi tranquille, peinard. Je ne demande rien à personne. Je suis dans mon foyer. Vous êtes venu ou vous êtes venu, vous reçoit. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas venu. On s'est appelé, c'est ça, on ne s'est pas appelé, c'est ça. Chacun vit sa vie, chacun vit sa life. Tu m'as appelé, tu me demandes un service que je peux te rendre, je te rends. Tu m'as appelé, tu me demandes un service que je ne peux pas te rendre, je dis que je ne peux pas. Je ne suis pas une lèche-botte pour aller m'accrocher à une belle famille. Genre, tu vas m'appeler et puis elle dit, hé, hey, c'est ma belle soeur, il va partir. Non, je fais selon mes envies. Si je comprends bien ta vidéo, tu injures ton ex indirectement. Mais comprends bien comme tu veux comprendre. Hein? Faut comprendre comme tu veux comprendre. Toi, si tu veux que moi, je t'explique ce que tu comprends. Quand on dépose, chacun prend l'information comme il la reçoit. Si toi, tu as compris qu'il est en train de l'insulter, ben, tu as essayé en train de l'insulter. C'est ça, c'est mon problème. Faut comprendre comme tu veux comprendre. Parce que moi, je connais comment ton cerveau tourne. Je ne connais pas comment ton cerveau tourne. Et faut comprendre comme tu veux comprendre. Aïe. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas diriger. Ils peuvent pas diriger leur frère par rapport à moi. Je ne suis pas mouton. Où tu as venu me dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis moi aussi, mouton que je suis, je m'en vais faire. Pourquoi? Pourquoi? Je sais ce qui est bon pour moi. Si c'est moi qui dirige ta vie. Et puis toi, tu as venu diriger ma vie. Non? Voilà. Donc, ils ont décidé de diriger la vie de leur frère. Bêta. Qui dirige? Est-ce que c'est ma vie? C'est pas ma vie. Je suis sorti de là-dedans, non? Oui, belle soeur Moklin, c'est moi qui ai dit ça. Belle soeur Moklin, c'est moi qui ai dit ça. Si on demande, dites que c'est Edwige qui a dit. Hein? Elle a accouché, non? Elle a se marié. Tout est mal. Voilà. Donc là, eux-mêmes me connaissent. C'est peut-être c'est pour ça qu'ils voulaient me dégager. Voilà. Donc, ils ont réussi, donc c'était un bijou, ils ont réussi à me dégager. Voilà. Donc, on espère que ça va bien se passer. On prie Dieu. C'est tout mon souhait. Parce que s'il va bien, mes enfants vont bien. Voilà. Donc, c'est tout mon souhait. Donc, je ne vais pas souhaiter du mal au père de mes enfants. Je ne souhaite que du bien, que du bonheur, que tout. Mais faudra pas que ça te fasse mal. Parce que il n'est plus à... Tu vois, quand tu... Il y a les hommes qui n'aiment pas voir leurs femmes évoluer, qui n'aiment pas voir leurs femmes réussir, qui veulent être toujours là à diriger la vie. Je ne sais pas, pas diriger un homme, c'est quand même un homme. Une femme doit être soumise à son homme, oui. Mais je ne sais pas comment y expliquer. Il y a des hommes qui ne supportent pas que leurs femmes gagnent plus qu'eux. C'est ça. Il y a des hommes qui soumettent pas. Quand tu as beaucoup, quand une femme a beaucoup d'argent, ils se sentent frustrés. C'est ce modèle de garçon. C'est ce modèle de garçon là. Voilà. Il a été frustré de mon ascension. Il a été frustré de ma condition. Voilà. Il s'est dit que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Sans compter que c'est moi-même, je me suis débrouillé jusqu'à ce que je suis arrivé là. Voilà, et il n'était pas d'accord avec cette ascension que j'avais. Voilà. Donc, il avait besoin d'une autre qui était, voilà, qui était accessible, qui était plus disposée. Voilà, qui était peut-être inférieure en matière d'intelligence, en matière de ce qu'elle veut. Parce que moi, j'ai de très grandes ambitions. Voilà, j'ai de très grandes ambitions. Je compte aller très loin dans ma vie. Donc, deux fois aussi,
Pardon, mon passe est fini. Quoi, s'il vous plaît, tantie là. Toujours parlable avec qui? Moi, comme ton passe est fini, je vais t'aider à couper, non? Il ne faut pas t'obliger à dépenser de l'argent pour quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que si on parle avec quelqu'un, ce n'est pas normal, tu vois, ma chérie. Le quoi? Le frère de Kanté est là-haut. Il est où? Il est à la maison, hein? Les hommes Il veut te n'aiment voir. pas les femmes intelligentes. Oui, ça. Bon, ce n'est pas tous les hommes, hein. Il y a qualité des hommes aussi. Les hommes qui comprennent pas ce que le mot soumission veut dire là. C'est les hommes pas trop intelligents. Ceux qui connaissent pas ce que le mot soumission veut dire, c'est eux qui n'aiment pas les femmes intelligentes. Sinon, la soumission, c'est pas mauvais en soi. Voilà, la soumission, c'est pas mauvais en soi. J'estime pas que une femme qui est soumise, c'est une femme qui se rabaisse. La soumission, c'est autre chose que ce que les hommes veulent faire croire ou bien veulent dire. C'est autre chose. Voilà. Et ah, et oui, je le vois celui-là. C'est vrai. Ce pingouin là, ce drogué là. Je vois qu'il est là. C'est ta mère, la sale pute. Le voir, c'est ta mère la sale pute. Il n'a pas couché à toi aussi. Tu dis pas qu'il a couché à toi aussi. Sinon, tu voulais coucher à moi. À ce que je me rappelle, c'est moi, j'ai dit non. Donc, si tu respectais ton frère, tu n'avais pas voulu coucher avec sa femme. Voilà. Donc, deux fois dans la vie, quand vous avez une mauvaise mère et que vous recevez, vous pardonnez, vous recevez de mauvaises éducations, c'est comme ça. C'est-à-dire que comment des gens qui sont des frères, qui veulent tous coucher avec la même fille. En fait, je ne comprends pas, hein. Je n'ai pas compris la partie là. Si ta mère avait donné une bonne éducation à ton frère, il n'allait pas vouloir coucher avec la fille qui a couché avec son frère. Puisque vous dites que j'ai couché avec le frère. Bon, en parenthèse, je n'ai pas couché avec lui. Bon, comme. Maintenant, si vous dites que j'ai couché avec lui, pourquoi ton petit frère vient coucher avec la copine de son frère? Nya. Mais ça faut avoir reçu une très mauvaise éducation pour faire ce genre de truc-là. Vraiment. Comme pourquoi des frères veulent coucher eux tous avec la même fille? Hein? Hein? En fait, le problème, c'est ça. C'est ça. Peut-être c'est votre habitude, hein? Oui, parce que voilà. Je pense que peut-être, voilà. Comment tes frères, si vous avez reçu une bonne éducation, bon, ça c'est la copine de ton frère, pourquoi vouloir coucher avec cette fille-là? Et puis traiter cette fille. Bon, toi-même, tu viens coucher avec la copine de ton frère, toi-même, ton modèle va se voir. Ça c'est toi-même, ton modèle là-même, c'est quoi? Ton frère, même père, même mère, c'est le même sang qui coule dans vos veines. Et tu cherches à coucher avec la copine de ton frère. Et vous aussi, vous allez parler de dire que moi, je suis une pute. Mais je préfère être une pute que d'aller sortir avec aller sortir avec le mari de ma soeur. Pourquoi y aller sortir avec le mari de ma soeur? Maintenant, il veut me prostituer en même temps. Parce que si vous êtes du même sang, frère et soeur, frère et soeur. Et le pire, même, c'est que c'est comme ça vous êtes. Le pire, c'est que c'est comme ça vous êtes. Parce que, il y a votre petite soeur. Toi, tu es là, tu me regardes. Je vais bien te parler. Il y a ta petite soeur. Je ne vais pas dire son nom. Elle, ton grand frère que tu dis qu'il a couché à moi. Sa femme qui l'a mariée, là. C'est pas son petit frère qui sort avec toi, ta petite soeur, votre petite soeur, même père, même mère. C'est pas lui. Vous, les enfants qui sont quittés dans le même ventre. Ça veut dire que,
C'est comme moi et puis mon frère, même père, même mère. Moi et puis mon frère, même père, même mère. On a deux enfants. Deux enfants. Une fille, un garçon ici. Une fille, un garçon ici. Qui se mettent ensemble. Qui font des enfants. Peut-être des mecs qui vont se mettre ensemble encore. Vous aussi, vous avez venu appeler les gens putes. Mais pour vous là, c'est quoi? Pat. Pour vous là, c'est quel modèle? Vraiment, c'est pat, maman. Pour vous là, c'est quoi? Hey! Pour vous là, c'est quoi? Donc, vous faites ça pourquoi? Vraiment, ouais, sacrilège. Il a dit deux soeurs. C'est-à-dire que maman et puis oncle, deux frères, même père, même mère. C'est pas semblant, hein? Deux frères. C'est-à-dire que la soeur et puis le frère, même père, même mère. Chacun a eu deux enfants. Ces deux enfants-là se sont mariés. Et maintenant, les enfants, même là, comment ils vont s'appeler entre eux? C'est pour ça que vous avez pensé qu'ils se sont dit, moi, il n'a là, jamais de la vie. Jamais de la vie, je peux faire ce genre de choses-là. Vraiment. C'est à cause de ça, vous pouvez croire que j'ai couché avec votre frère. Parce que si vous n'avez pas cette pensée, c'est quelque chose qu'on peut te dire, puis tu as dit, non, c'est impossible. Tu peux même pas croire ça. Tu ne peux pas croire ça si tu es quelqu'un qui a été bien éduqué. Si tu as reçu une éducation, on vient ensemble et dit, ah, on a vu, il y a une fille, elle est partie coucher avec deux frères. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas croire, tu doutes. Mais vous n'avez pas vu. Vous ne savez pas. Parce que votre frère est venu s'asseoir juste parce qu'il voulait de moi. Et que j'ai dit non. Il est venu s'asseoir pour vous faire croire que j'ai couché avec lui. C'est parce que vous avez l'habitude. Vous connaissez. C'est votre travail. C'est votre travail. C'est votre travail. Sinon, ça, c'est moi, il ne comprend pas. Hein. Jusqu'à ce que ça s'assoit. Ça, même, c'est petit. Jusqu'à ce que ça s'assoit, même. Pour dire que. Lui, quand il dit qu'il est couché à lui, là. Le grand frère, quand il dit qu'il est couché à lui, là. Sa fille. Ils veulent que sa fille n'a qu'à marier l'enfant de sa petite soeur. C'est-à-dire que lui-même, sa petite soeur, même père, même mère. Elle a un enfant. Et puis lui, il aussi, il a un enfant. Les deux, là, n'ont qu'à se marier. Nia! Ça, c'est qu'un modèle. Vraiment, l'argent qui reste en famille, là, ça reste en famille, hein. Ça reste en famille, hein. Ah, moi-même, j'ai peur pour mes enfants, hein. En tout cas, peut-être c'est la partie là où ça sera dangereux. La partie de mes enfants, c'est là où ça sera dangereux. Parce que jamais, même mes enfants vont accepter une seule personne de votre famille. Chez nous, ça ne se fait pas. Ils vont aller prendre ça louer là-bas. Ils vont aller prendre leur femme et puis leur mari. Oui! Parce que, en tout cas, si c'est, vous comptez sur mes enfants là, pour aller marier vos enfants que vous êtes en train d'accoucher là. Détrompez-vous, hein. Ah, détrompez-vous. Hein? Ne comptez pas sur mes enfants pour aller marier vos enfants que vous allez faire avec le sang de la cousine, du frère, de la soeur, de l'oncle. De... Non, hein. Faites ça entre vous là-bas. Laissez mes enfants où ils sont. Si votre frère manquait d'éducation et que je voulais l'éduquer un peu, et qu'il a vu que c'était trop compliqué parce qu'il y a des fois quand tu es trop bête et quand on veut t'élever un peu à un rang des gens qui sont censés, il y a des fois c'est insupportable, tu vois. Il y a des fois on peut pas, même quand on éduque un chien, il va jamais devenir un homme. Même s'il sait s'asseoir sur les toilettes pour faire pipi, c'est un chien. Voilà. Donc, l'amour nous pousse à faire des choses. C'est-à-dire que l'amour est bizarre. En fait, c'est ça. L'amour est bizarre. Sinon, ne comptez pas sur mes enfants, hein, je vous dis en même temps. Ne comptez pas sur mes enfants. Voilà. Donc vous aussi, vous avez des leçons de morale à me donner à moi. Hein? Regardez-moi ça. Quand elle a couché avec mon frère, Nini. Toi-même, tu voulais coucher avec moi, tu n'es pas français. Pourquoi il ne s'est pas sorti avec toi pour prendre français là chez toi et puis ça les pense à chez lui? Sauvage. On va te contenter de la femme qu'on t'a donnée, la pauvre fille qui est en train de souffrir à Bidjan parce qu'elle a un mari comme toi. Toi aussi, tu es mari. Toi aussi, ton modèle aussi, c'est mari. C'est elle-même qui ne sait pas qui elle est. Pitiation. Comme c'est sa belle-mère qui dirige sa vie, là, elle va faire comment? Vraiment, quelle famille. Et puis vous allez venir vous asseoir pour dire que Edwige, elle est mauvaise. Vous-même, vous couchez avec vos frères, vos soeurs, vos cousines, vos cousins. Vous tous là-bas, vous avez même couleur de sang. Vous tous, vous êtes des mêmes groupes sanguins.
Vous vous couchez, 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 vous faites les enfants, 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 enfants. C'est moi, il va venir, et puis il va le sortir le frère, et puis il va le sortir l'autre frère. C'est vous qui faites ça, il vous a dit non. C'est pour ça que ça vous a fait mal. C'est parce que j'ai dit non, que moi, ce modèle-là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce genre de modèle-là. Je suis amoureuse d'un dedans, je prends celui qui est amoureuse de lui-là. Bêta, il m'en va à lui. Il a fait quoi tout ça? Vous aussi, vous allez venir pour parler de quoi? Ah, ça vous laisse soulever pour aller marier sa soeur. Donc, bijou, t'inquiète pas pour moi. T'inquiète vraiment pas pour moi. C'était le moment. Je pense que c'est une preuve que, voilà. Peut-être comme je m'entêtais. Voilà. Deux fois, voilà. C'est mon bus arrivait à un arrêt où il devait descendre. Parce que c'était plus possible. Voilà, c'était plus possible. C'est-à-dire qu'on avait fait le tour, quoi. On avait vraiment fait le tour. Et il devait respecter ses obligations familiales. Voilà. Il était dans l'obligation d'aller prendre une autre femme au pays. C'est ça qui est la vérité. Il était obligé d'aller prendre sa soeur. C'est ça qui est de rigueur. C'est ça qui est la coutume. Voilà. Donc, c'était. Et c'est moi, j'ai refusé d'accepter cette situation. Voilà. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que demain, voilà, mes enfants. Et des cousins qui sont les tantes ou bien de la cousine ou bien du cousin de l'autre. C'est vraiment compliqué à définir comme ils essayent de m'attribuer ça. C'est-à-dire que dans leur famille, c'est tout à fait normal. Donc, ça ne les dérange pas de faire penser ça. C'est-à-dire que toi-même, c'est quelque chose même, si c'était vrai même, ça devait rester dans la famille comme secret. Mais comme c'est l'habitude, comme c'est leur quotidien, comme c'est leur bonjour, comme c'est leur bonsoir. C'est des choses qu'ils peuvent s'asseoir et dire comme ça, comme si c'était une fierté pour eux. Entends, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'un homme qui sort avec une femme, qui a fait autant d'enfants avec cette femme, vienne s'asseoir pour dire qu'elle a couché avec mon frère, elle n'est pas bonne. Vraiment, c'est quelque chose. Quand un homme ouvre sa bouche pour dire ça, on sait que c'est un homme qui est perdu. Pourquoi? On sait qu'il est perdu. C'est toi-même, tu n'as pas honte de venir t'asseoir. Que la femme avec qui tu vis a accouché avec ton frère et toi tu l'as récupéré. En fait, quand j'ai entendu cette note vocale-là, j'ai su en même temps que c'était la fin. C'est-à-dire que tu dors avec une femme, tu vis avec elle, tu fais des enfants avec elle. Mais dans ta tête, là, elle a couché avec ton frère et ça ne te dérange pas de coucher avec elle. Ça ne te dérange pas d'avoir des enfants avec elle. Ça ne te dérange pas d'avoir. Vraiment, je ne comprends pas la réflexion tordue, quoi. C'est vraiment tordu, hein. C'est vraiment tordu. Donc, il fallait que je sache ça. Donc, bijou, c'est ce que je veux te dire. Je t'ai expliqué tout ton âge. Et voilà. J'ai expliqué, j'ai fait le tour. J'espère que tu as compris. Et que, voilà. Il y a des choses qui se passent. Les gens. Les gens savent, mais ils font l'effort de supporter, ils font l'effort d'accepter. Et c'est nous les femmes qui en souffrons. Parce que les hommes n'ont pas reçu d'éducation. Parce qu'il y a des sales filles, il y a des sales mères. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des mauvaises mamans, ça c'est vrai. Parce que comme la mère de Kanté, c'est une très mauvaise maman. Ça, je peux le dire ouvertement parce que j'ai fait l'expérience. C'est une très mauvaise mère. C'est moi qui dis ça. Voilà. Elle est méchante, elle est sorcière, elle est de mauvaise foi. Voilà. Oui, elle n'est pas bonne. 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 Donc, je suis libérée. C'est vrai que c'est une délivrance difficile. C'est vrai, c'est une délivrance difficile. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais, sincèrement. Oui, j'ai tout fait pour lui démontrer par A plus B que je l'aimais. J'ai tout fait pour accepter
le comportement qu'il avait. J'ai tout fait pour supporter tout ce qu'il faisait. J'ai tout fait pour accepter les caprices et les bêtises de la famille quand on l'appelait pour dire hey, ta femme là, c'est si, oh, tes enfants là, c'est les enfants, c'est tes enfants qui sont en Europe, c'est eux qui bouffent ton argent, c'est ta femme là. C'est... J'ai tout fait pour supporter toutes ces bêtises. Il attrapait mon cœur même pour aller dans les fêtes familiales où je n'avais pas envie d'aller. Je supportais beaucoup de choses. Voilà, et c'était une délivrance. Voilà, c'était une délivrance, même si, voilà, ça, c'est comme Karaba, quand elle souffre, elle était sorcière souffre. Mais quand elle a arraché l'épine de, dans son dos, tu as vu comment elle est devenue, non? Elle est devenue gentille, joyeuse, libérée. Tu vois, quand il y a un poison dans ton dos, puis on te retire ça un coup là. C'est, donc, t'inquiète pas pour nous, tout va bien. Voilà, tout va bien, je suis en paix parce que je connais l'individu. Voilà, je connais l'individu, je connais le modèle, je connais la famille. Et Dieu merci pour moi, je ne sors pas misérable dans cette histoire. Voilà. Je ne sors pas avec une misère. Au moins, si je sortais de cette situation, j'avais nulle part où aller, j'avais des enfants, j'étais dans la précarité, c'était difficile pour moi, il fallait que je recommence tout à zéro. Je peux dire que ça allait être une peine qu'elle est doublement difficile à accepter. Mais je sors dans de bonnes conditions. Ça veut dire que je n'ai à m'inquiéter de rien. En fait, c'est ça. C'est ça l'avantage. Ça veut dire que je sors de cette situation-là sans être en souffrance. Voilà. Sans être en souffrance parce que je mange bien, je vis bien, je dors bien, j'ai mes enfants. Voilà, tout. Il n'y a rien. À part qu'il n'est plus là, la vie continue comme auparavant. Ça veut dire qu'il n'y a, y a pas de difficultés qui se rajoutent à mon quotidien. Voilà. C'est comme d'habitude. Voilà. Donc, t'inquiète pas pour moi. Tout va bien. Voilà. C'est Dieu qui m'a libéré de cette famille-là. Vraiment. Vraiment. Dieu m'a montré le vrai visage de cette belle sœur sorcière-là. Parce que de toutes ces sœurs, c'est elle que j'aimais. De toutes les soeurs, c'est elle que j'aimais. C'est pour ça que j'ai nommé ma fille. Oui. J'ai pris elle son nom pour donner à ma fille. Parce que de toutes mes belles soeurs, puisque c'était la seule que je connaissais, c'est elle qui avait vécu pendant un moment. Donc, par reconnaissance, c'est-à-dire que même quand elle a été mauvaise un mois, j'ai toujours été reconnaissante vis-à-vis d'elle. Puis quand j'ai pris son nom pour donner à ma fille, lui-même, il ne voulait pas que je donne son nom. J'ai dit que si elle doit choisir quelqu'un dans ta famille là, pour donner son nom à mon enfant, Beta c'est elle. Parce que les autres là, je ne les connais pas. Ils pouvaient prendre quelqu'un que je connais. Donc c'est pour ça que c'est elle que j'ai choisi. Voilà. Donc je suis très bien dans ma peau. Je suis bien quoi. Mais j'essaie d'expliquer à mes frères et soeurs que deux fois, remettez-vous en cause, oui, surtout vous les hommes, là. Voilà. Vous êtes adultes, vous devez être responsable, oui, pour vous-même. Vous devez être responsable pour vous-même. Vous devez éviter de vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas voulu. C'est-à-dire que quand ta femme t'attrape, et puis tu es en train de la tromper, puis tu dis, c'est pas ce que tu penses. Parce que ce n'est pas ce que tu voulais. Tu ne voulais pas qu'elle t'attrape. Il ne fallait pas la tromper. Putain. Donc, nous, on doit essayer d'apporter les parents, les adultes de maintenant. Pour nous, c'est déjà gainé. C'est déjà gâté. Donc, on doit apprendre. On doit donner des conseils. On doit éduquer nos enfants. Surtout les garçons. Surtout les garçons. Ça va éviter beaucoup de choses. Ça va éviter vraiment beaucoup de choses. Les garçons doivent être éduqués. Que l'infidélité, ce n'est pas la norme. Tu as vu une autre go qui te plaît, tu viens t'asseoir, tu expliques à ta femme. Si elle a dit oui, tu vas sortir elle. On ne peut pas imposer des choses à une femme et dire accepte, c'est comme ça. Donc, il faut que les hommes puissent recevoir une vraie éducation, quoi. Les hommes qui enceintent des femmes disent qu'elle m'a piégé. Rien. Qui t'a piégé?
qui a enlevé ton pantalon. C'est-à-dire que tu as enlevé le bouton, tu as descendu la braquette, tu as descendu le pantalon, tu as enlevé le caleçon, tu t'es positionné, tu as fait bim bim, tu avais le temps même de te retirer pour jouer dehors, ou bien tu avais la possibilité de mettre un préservatif. Tu n'as pas fait tout ça. Tu la connais pas, c'est pas elle, tu veux marier, tu voulais faire ton mourou. Tu as fait bim bim, tu as joué dedans, tu dis c'est de sa faute, qu'elle t'a piégé. En tant que tu te mettais en genoux pour demander pardon. Pardon. À cause de Dieu, un coup, il a fait un coup. Pardon. Péta. Il faut qu'on éduque nos garçons. Oui. Il faut qu'on éduque nos garçons. Tout se passe pas au niveau du bungala. Le cerveau, c'est en haut. Le cerveau, c'est pas en bas. Tu finis d'enceinter la fille, tu dis que c'est de la faute de la fille. C'est de vous, de votre faute, ou bien c'est de la faute de la fille. Un homme qui n'a pas envie d'enceinter, il n'enceinte pas. Il n'enseigne pas. On ne peut pas piéger quelqu'un. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu n'as pas envie de sortir la fille. Tu ne te retrouves pas dans la même pièce que la fille. On ne peut pas piéger quelqu'un. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Je ne couche pas avec toi. Peut-être que tu vas me tuer. Peut-être que tu vas me tuer. Je ne couche pas avec toi. Voilà. Ce n'est pas forcé. Il était saoulé. Il n'était pas saoulé. Il n'était pas saoulé. On le saoulait comment? On le saoulait comment? Il y a des choses qui arrivent par un cas sur 100 000. C'est des trucs qui doivent arriver. On va dire, c'est des trucs qui doivent être rares. Mais c'est pas rare. En fait, c'est pas rare. On sait que tu peux te retrouver dans une situation vraiment, vraiment, c'est vrai. Mais c'est pas ce que nous on voit. C'est pas ce qu'on constate. C'est récurrent. Après, quand ces filles-là vont avorter, on dit que les filles-là ne sont pas bonnes. Non. C'est les garçons qui poussent les filles à aller avorter. Si un garçon n'enseigne pas, la fille ne va pas aller avorter. Parce qu'il n'y a pas grossesse. C'est pour ça qu'il est mieux. C'est mieux de prévenir que de guérir. Pourquoi vous n'êtes pas dans la prévention? Pourquoi vous finissez de poser des actes et après venir regretter? Ou bien après venir dire, ah, c'est quoi j'ai fait comme ça? C'est ça que c'est l'éducation. Quand tu ne connais pas la conséquence de l'acte que tu poses, c'est après avoir posé l'acte que tu te rends compte que tu as fait quelque chose de mauvais. C'est tout ça que je dis que c'est l'éducation. Tu es belle, tu trouveras mieux, tout ce que Dieu fait est bon. Mais qui t'a dit que même je cherche à trouver même? c'est venu, mais je ne suis pas dans la recherche. Le problème, c'est ça. Parce que vous êtes tout le temps dans la recherche. Vous avez tendance à penser que vous manquez de quelque chose. Il manque de rien. Si c'est venu, c'est bonus, mais je manque de rien. Je suis complet. Je ne manque de rien. Si c'est venu, mais pour dire que Dieu va te donner un autre, ou bien il y a un autre qui va venir. Je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit. Je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit. J'essaye de vivre ma vie comme j'ai envie. J'essaye de vivre ma vie comme j'ai envie. Et pour faire même me concentrer sur mes enfants, garçons là, pour leur donner une très bonne éducation. Comme ça, ils ne vont pas se retrouver dans des situations tordues. Il va venir s'arrêter, hein, maman. Hey, maman, je suis désolé. Oh. Je suis désolé. La fille là, je ne voulais pas. Oh. Je ne voulais pas. Elle m'a forcé. Non, en tout cas, moi, ce genre de trucs, je ne supporte pas. J'ai pris Dieu. Dieu n'a qu'à m'aider. Je vais bien éduquer mes garçons pour ne pas qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation, quoi. Quand je ne voulais pas, là, c'est la partie la même qui m'énerve. Je ne voulais pas, là. Je ne supporte pas. Tu ne voulais pas, mais tu as fait.
Moi, je veux avoir un enfant garçon qui va se retrouver devant une fille qui se déshabille nue devant lui et puis il refuse. Je veux me retrouver devant un garçon qui arrive à refuser même quand une fille c'est une chaudasse. Qui dit non, je veux pas. Je veux pas d'une femme comme ça. Je veux pas un homme qui va finir de coucher avec elle et puis il va dire ah, j'ai fait quoi? Je veux pas. Donc c'est pour ça que je lance ce message là au mère et au père, parce que je vais pas donner cette responsabilité que aux femmes. Les papas aussi sont responsables de ça. Les papas aussi sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Voilà. Apportez à vos enfants ce qui est bien. Voilà. Il faut que les garçons puissent prendre conscience que c'est eux aussi qui dirigent. C'est pas les femmes qui doivent prendre les précautions. Les hommes aussi doivent prendre les précautions. Deux précautions, c'est mieux. Hein? Si un a foiré, au moins l'autre peut marcher. Si toi, tu prends tes précautions et que moi, je prends mes précautions, le jour pour moi a raté, là, pour toi, marche. Voilà. Ton marche. Voilà. Donc, dites à Bijou que non, moi, mon histoire, j'ai voulu la raconter sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation. Il y a des hommes qui viennent en Europe, pas comme mon modèle là. Il y a d'autres modèles aussi qui sont semblables. Il y a des hommes qui viennent, comme Pougasama, les gens ont essayé de parler de ça, mais ça n'a pas pris. Là. Ça veut dire qu'il avait sa femme au pays, mais il est venu en France et s'est mis avec une go ici. Il était à la go jusqu'à... Bon... Son doigt a pété. Voilà, il est monté. Il a été reçu par le président. Il a eu sa nationalité. Il a eu son travail. Il est parti au pays pour aller se marier. C'est qu'elle a là. Blogodo. Ouais. Et maintenant, ils vont trouver qu'elle n'est pas bonne. Elle est ceci, elle est cela. Vous voyez. Et puis, il y a plein de modèles comme ça. Il y a des femmes, même, c'est deux musulmans, hein, deux modèles de musulmans même. Des fois même, monsieur puis madame sont là. Monsieur puis madame, elle est ici tranquille. Elle se réveille un matin, on dit que son mari est parti se marier là-bas, tranquillement. Et puis le pire, ceux qui n'ont pas honte, elle savait. Le pire, elle savait, elle a accepté. Pour faire croire à tout le monde que lui, il est bon. Il y a beaucoup de femmes ici. Vous ont laissé leur femme au pays, mais ça ne les dérange pas de venir construire quelque chose ici. Ça ne les dérange pas. Ils finissent de construire. Quand ils ont ce qu'ils ont là, ils s'en vont là-bas maintenant. Pour aller marier maintenant leur femme qui devait marier là. Et puis, tu dis que, mais celle-là, c'est ma femme. Il y en a des enfants ensemble, en étant ensemble. Tu savais que c'était la mère de mes enfants. Mais tu savais que t'as... Mais il fallait garder ton bangala dans ton pantalon. Et puis tu essayais de t'en sortir ici en France dignement. Et aller chercher ta femme et puis tes enfants tranquillement pour venir. Ça là aussi, vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire ça. Ne pas faire perdre le temps. Vous ne pouvez pas être honnête avec vous-même votre pensée. Après, vous trouvez les arguments pour dire qu'elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne. C'est celle qu'on a choisie au pays là. C'est elle qui est bonne. Non. Non, si vous savez que vous avez laissé vos femmes là-bas et vos enfants là-bas, quand vous venez ici, laissez les filles qui sont ici là. De toute façon, vous obligez votre femme et puis votre femme là-bas à rester là-bas sans avoir de rapport sexuel. C'est comme ça que vous devez être capable de rester ici aussi sans avoir de relation sexuelle jusqu'à ce que vous allez obtenir tout ce que vous voulez et puis vous la faites venir. Vous imposez à ce qu'elle soit là-bas. Qu'elle soit fidèle pendant des années. Et vous l'appelez, vous dites, non, tu connais la France, oh, c'est comme ça. Il y a des choses ici, là, c'est pas comme tu penses. Il faut que j'ai vu la fille, là, elle est française. Elle va... Mais tu es mauvais. Tu es mauvais, tu es méchant, tu es sorcier. Tu es sorcier. Et elle me mettait, elle va me donner les papiers.
Tu sais qu'il y a besoin des papiers pour te faire venir les enfants. Et celle qui est qui tu es, tu es en train de chercher les papiers. Ou bien celle avec qui tu es parce que tu veux Mougou. Ou bien celle avec qui tu es parce que tu n'as pas d'appartement pour dormir. Ou bien celle avec qui tu es parce que tu l'as rencontré comme ça, tu es fond d'elle. Tu as sorti, c'est une go de transition, quoi. Ça veut dire que vous avez des go de transition. Vous avez des go de transition. Et après, vous partez soulever vos femmes là-bas tranquillement. Et puis vous venez. Et puis quand elle va parler, vous avez dit que c'est elle est mauvaise. Ça veut dire que tout vous énerve sur elle. Ça veut dire que son comportement ne sera jamais bon. Même si elle a un très bon comportement, son comportement ne sera jamais bon. Parce que tu as déjà ta femme là-bas. Que tu vas aller chercher, c'est déjà dans ta tête, c'est bloqué. Même si c'est une femme parfaite, tu ne vas jamais voir son côté parfait là. Tu vas voir la partie où Martin n'a pas balayé là. Tu vas voir le soir où elle est quittée au travail, c'est pas la vraie partie dormir. C'est la partie là que tu vas voir. Parce que c'est le mauvais qui est dans elle là que tu cherches pour justifier ton sale comportement que tu as. C'est le mauvais qui est dans toi. Là. C'est ça que tu rejettes sur elle. Pour voir qu'elle est mauvaise, comme ça tu vas justifier le fait que tu vas prendre celle que tu as laissée au pays. Deux fois même là, tu es la femme ici. Hein. Vous êtes ici tranquillement, bien, bien. Tu t'en vas au pays, tu as eu une bonne fraîcheur là-bas. Tu viens, tu sécurises la fraîcheur là-bas. Celle-là, elle commence à t'énerver. Tous ces défauts qu'elle avait avant que tu ne voyais pas, là, tu commences à voir. Tu commences à préparer maintenant. Comment tu avais parti pour aller chercher. Mais pendant ce temps-là, tu ne la laisses pas et tu ne lui dis pas la vérité. Ah, que je suis parti en vacances au pays et j'ai rencontré une jeune fille que j'ai aimée. Je suis vraiment amoureux d'elle. Et je voulais te dire que voilà, ça n'a pas été de ma faute, ça a été un coup de foudre. Tu peux lui dire ça sur place. Tu peux lui dire ça à ta femme sur place. Vous vous séparez. Et puis toi, tu restes avec ta copine, elle à 500 000 km. Et puis toi, tu as ton appartement. Qui m'appelle? Toi, tu es en France, tu as ton appartement tranquille. Et puis tu vis ta vie au calme. Et comme ça, tu es honnête avec toi-même. Comme ça, tu es honnête avec ton âme. Tu es honnête avec ton esprit. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Vous êtes trop... Vous êtes arrivé à un niveau où vous avez plus de respect pour les sentiments des femmes. C'est-à-dire que vous... C'est-à-dire que nos sentiments-là, vous n'en avez rien à foutre. Le sentiment que nous on ressent là, vous vous en foutez. C'est pour vous là qui est important. Mais elle peut comprendre ça. Elle peut comprendre quoi? Quelque chose que toi-même, tu ne peux pas comprendre. Tu m'appelles. Méchanceté. Oui. Ah oui, ok. Au cinquième. Ce sont des gens là. Oula. Oui. Ah, pardon, désolé. C'est bon? Ils sont patates. Les cagnes passent. Eh oui, c'est méchant, et ils trouvent qu'ils ont raison. Le comportement, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'elle s'est mal comportée, c'est parce que c'est pas une bonne femme. Quand toi, tu es restée, elle, au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pendant que tu entretenais une relation avec une autre femme là-bas, juste quand tu es séparé d'elle, aller marier la femme pour la faire venir, ou bien, je sais pas, tu fais ta vie là-bas. Mais toi, tu trouvais pas que toi, ce que toi tu faisais là, c'était pas normal. Chez toi, c'était bien. C'est elle qui n'est pas bonne. C'est elle qui n'est pas bonne. Juste parce que tu as rencontré une autre fille. Mais tu lui mets devant les fautes à combler, puis tu lui dis la vérité, puis vous vous séparez tranquillement. Est-ce que ça arrive? Parce que ça arrive que deux personnes ne se séparent. Mais tu vas pas rester là le temps de profiter d'elle, d'économiser ton argent, de vivre sur son budget. Mais ça là, après quand elle s'en rend compte, elle est fâchée. Hmm.
Maintenant, si c'est Dieu, puis tu casses les deux. Ah. Mais c'est vrai. Que tu as rencontré une femme que tu aimes, une femme que tu es mariée, et que tu es déjà avec une autre. Pourquoi tu ne te sépares pas d'elle tranquillement parce que tu ne l'aimes plus? Que de rester avec elle pendant au moins 2-3 ans, le temps maintenant de programmer la venue de la fille. Ça là, c'est sérieux. C'est femme qui attrape deux branches, c'est pas garçon qui attrape deux branches. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les garçons de maintenant, vous êtes arrivés à un level qui nous dépasse. Nous-mêmes, on dit qu'on est, on est des femmes vraiment, mais vous nous dépassez, hein? Vous nous dépassez, hein? C'est direct. Non. Casse tes deux yeux. Et qui m'appelle là-haut? Allô? 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 Oui. Oui. Bon, allez-y, c'est pas pour intervenir, c'est la seule fille que je prends. Hein. On vous écoute. Pardon? On vous écoute. Oui, je voulais juste dire, surtout, bonjour d'abord à tout le monde. Alors, c'était juste pour dire, surtout, avec la fonderie qui a raté. Je peux lui donner la fonderie, ça m'a fait le machette. Parce qu'il n'a pas pu fonder. Allô? Oui, mais on vous écoute. Oui, et puis, alors je voulais juste dire, moi j'ai dit ça parce que j'ai une amie, j'ai connu une personne, c'est même pas une amie, c'est une voisine. Voilà. Donc la dame, elle travaille tous les matins, elle va faire le ménage jusqu'à fatiguer. Mm-hmm. Et tu sais, son mari, qu'est-ce qu'il fait? Tout l'argent, la femme, elle prenait même pas, elle prenait pas l'argent pour ses besoins, tout ça. Le mari, il prenait. On n'entend pas, elle parlait un peu plus fort, s'il vous plaît. Le mari, il prenait même l'argent. Uh-huh. Que sa femme a travaillé jusqu'à fatigue. Il interdisait mm-hmm. même de prendre plus l'argent là, pour ses propres besoins. Mais arrivé à un moment, il est parti en vacances, il a pris une autre femme, soit disons que c'est sa cousine, puisque c'est sa mère qui doit obliger de prendre. Sans raison, c'est au bout de un mois, que sa femme qui est là, elle a compris qu'elle a pris une autre femme au pays. Comme ça. Allô? Ça va, vous avez fini d'expliquer? Oui. Ça va, on envoie un autre, c'est bon? Ok, d'accord, merci. Il n'y a rien entendu. Technicien de bouille qui est venu. Donc, c'est ça. Je vais essayer de rappeler. Parce que j'ai rien entendu. Donc, c'est la polygamie, donc. Ben, ma chérie. Les gens qui veulent vivre la polygamie, là, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas dans les pays où... Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas dans les pays où la polygamie est autorisée. Moi, je suis en France. Vous me demandez. Bon, j'ai laissé la Côte d'Ivoire. Je suis monté d'avion jusqu'à... Je suis venu en France. Vous venez me demander à moi, je suis en France. Qui veut vivre en France. Qui aime les lois de France. Qui préfère la France. Bon, vous venez me dire à moi d'accepter la polygamie pour quelque chose qui est illégal dans un pays. Hein? Bon, vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Attends, quand ça vous arrange, vous prenez, mais quand ça ne vous arrange pas, vous laissez. Je ne peux pas accepter la polygamie. Je ne peux pas. Si c'est ça, j'allais rester où j'étais ou bien j'allais partir, je ne sais pas, dans les pays où c'est autorisé. Tu ne peux pas vivre en France avec une femme et puis tu dis à la femme d'accepter la polygamie. Mmh. Dire que la polygamie.
Maintenant, c'est pas tout le monde qui veut vivre, qui veut être polygame. Ceux qui veulent pas être polygame là, pourquoi vous acceptez pas leur position et vous les obligez? Toi, tu as envie d'être polygame. Tu es polygame, ça dérange personne. Mais moi, j'ai dit que je ne veux pas être polygame là. C'est moi, je ne suis pas bonne. Il y a beaucoup de femmes, non? Ah, donc il y a beaucoup de femmes. Donc tu prends une autre. Non, je ne suis pas bonne. Pourquoi je refuse? Je dois accepter. On a des enfants ensemble. Il faut penser à tes enfants. Non, non, c'est par amour. Il faut faire ceci. Mais j'ai dit que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Voilà, moi je ne suis pas contre la polygamie, je dis que moi je ne veux pas. Mais si je me retrouve dans un groupe de femmes où on doit voter une loi qui se base sur la polygamie et qu'on a fini de voter et que peut-être on est 8 et qu'il y a 5 qui ont voté pour et que 3 ont voté contre, ils seront obligés d'accepter. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être polygame. Non. Non. Si la loi a été votée et qu'on dit que la polygamie est de rigueur, si moi je n'ai pas envie d'être polygame, est-ce que je vais aller me marier pour être polygame? Non. Ah, donc, c'est le choix de tout un chacun. Je n'ai pas dit que je refuse la polygamie ou bien je ne veux pas que les autres fassent la polygamie. Ça, c'est le choix des autres. Moi, je ne juge pas le choix des autres. Je dis que moi, je ne peux pas. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Je ne peux pas. Je ne blâme pas aussi les femmes qui se convertissent pour un homme. Je ne blâme pas aussi les femmes qui se convertissent pour se marier. Voilà. Mais je dis que moi, là, je ne peux pas. Mais c'est pas comme si je suis contre ça. Je dis, je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas. C'est un plat que je n'arrive. Excusez-moi, c'est un plat que je n'arrive pas à manger. C'est pas de ma faute. Même si j'ai faim, je ne pourrai pas manger. Même si la faim est chronique, je ne peux pas manger. Voilà. Donc ça, c'est pas le sujet, la polygamie. Le sujet, c'est les hommes qui sont en Europe ici. Parce que c'est eux qui sont le sommet, le best, le sommet. Vous êtes en France ici. Vous avez laissé vos femmes là-bas, avec vos enfants. Quand vous venez là, quand vous venez en Europe là, concentrez-vous sur vous. Restez comme ça et cherchez-vous. Vous allez avoir vos papiers, vous allez faire venir vos femmes. Ne venez pas fatiguer les femmes qui sont ici. Ne venez pas abuser. Ça, c'est de l'abus. Vous abusez de ces femmes-là. On appelle ça de l'abus. C'est abuser. C'est vraiment abuser. De savoir, de te mettre dans la tête que je suis juste avec elle pour un temps. Après, je vais aller chercher ma femme là-bas. C'est vraiment méchant. C'est un abus. C'est un abus. Si tu sais que tu as ta femme là-bas que tu dois aller chercher, tu dis à la fille, quand je suis avec toi pour un temps, c'est mieux de dire la vérité. Dis la vérité. Si la fille dit, ok, il n'y a pas de problème, au moins elle a averti. Tu vas pas rester elle. Fais des enfants à elle. Et après, on apprend que tu allais te marier là-bas. C'est pas normal. Et quand on parle de ça, on trouve des gens qui vont venir s'asseoir là. Qui vont venir s'asseoir là pour justifier l'injustifiable. Y a rien à justifier dedans. C'est pas pour intervenir. Ouais. Allô? 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 Oui? Bonjour Edwin, s'il te plaît, je voulais participer, je voulais apporter un témoignage, s'il te plaît. Vas-y. Oui, je disais, j'ai connu une dame, c'est ma voisine, c'est ma voisine, c'est une malienne. Hein? Donc du coup, la femme, elle travaille, elle fait ménage, elle se réveille, elle s'occupe de la maison, elle fait tout, elle travaille, son mari, tout le temps au PMU. Tout le temps au PMI, c'est la dame qui travaille avec l'argent qu'elle travaille. Même quand elle veut prendre l'argent, son mari est fâché parce qu'il lui dit oui, tu prends l'argent, patati. Donc la femme, elle prend. Même les tontines, la femme était dans les tontines. Tout ça, quand l'argent arrive, c'est dans le compte de monsieur. Comme la dame, elle n'avait pas de compte pour elle. Donc du coup, jusqu'à. Le monsieur est parti au Mali. Il est parti. Soi-disant que c'est sa mère
Écoute bien, c'est sa mère qui lui a imposé d'épouser une de ses copines. Parce que sa mère lui a dit de prendre une de ses... Il a pris une de ses cousines. Jusqu'à la dame, c'est un mois après qu'on l'a appelé du pays pour lui dire, tiens, tu es au courant que ton mari a pris une deuxième. Donc la dame, c'est comme ça, elle a su que son mari, l'argent qu'on mettait à côté pour les épargnes, pour la maison, pour les enfants, son mari a pris l'argent pour aller épouser une autre femme au pays. Donc du coup, parce que celle qui est là, ce n'était pas de sa famille. Celle qui est là, ce n'est pas de sa famille. Donc comme ce n'est pas sa famille, la mère, elle tenait absolument que le monsieur, il prend une de sa famille. Donc du coup, la femme, elle a su comme ça. C'est au bout d'un mois, c'est même pas le mari qui a appelé pour dire, tiens, j'ai pris une autre femme. C'est les autres qui l'ont appelé pour lui dire, ton mari, tu es au courant que ton mari a pris une autre femme au pays. Tu sais qu'est-ce que la dame elle a fait? Elle a fait quoi? La dame, quand elle a su ça, elle est partie déclarer au service pour leur dire que sa femme, que son mari a pris ses papiers pour elle, pour aller faire vouloir amener celle qui est là-bas de sa famille. La dame a déclaré ça, donc du coup ils étaient au courant. Et quand le monsieur a fini ses vacances pour rentrer, la dame a changé les serrures. Elle a changé les serrures. Quand le monsieur arrivait, il ne pouvait plus rentrer à la maison. Ils ont appelé, oui, les gens du pays ont appelé, oui, c'est ton mari, il ne faut pas faire ça. La dame a dit non. La dame a dit non. Donc le monsieur, il est là. Il tourne de gauche à droite, il ne peut plus avoir accès à la maison. Et sa femme a demandé le divorce. Donc c'est ce que tu dis aussi, moi je reviens sur ça. Des fois, c'est les mères qui poussent, parce que tu ne peux pas. Toi, tu es dans ton ménage. Tu veux imposer à ton fils que c'est à toi de gérer son ménage. C'est pas comme ça. Si tu es avec quelqu'un, vous êtes marié, vous avez des enfants. Voilà. Donc, c'était ça. D'accord. Donc, des fois, quand tu te révoltes après, c'est eux qui vont dire, oui, ça y est, ils ont pris les habitudes des Européennes, ils sont féminines, elles sont féministes, elles sont ça. Mais il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pays. Comme tu as dit, on est en Europe. S'ils veulent suivre la polygamie ou je ne sais pas quoi, ils n'ont qu'à aller dans les pays où c'est autorisé. Voilà. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne suis pas prête pour ça. Tu n'es pas la seule dedans. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Non, je ne vais pas accepter. Voilà, c'était mon témoignage. Okay. Merci beaucoup, ma merci. Chérie. Bisous, bisous. Bisous. Hey, mon direct n'est pas fait pour témoigner, mais tellement les femmes veulent parler. On vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Edith. Bonjour. Oui, je peux intervenir. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je voulais intervenir parce que le débat que tu as ce matin, il est très intéressant. Bon, après, c'est pas moi je suis chrétienne, hein. Je sais que chez les musulmans, ils ont beaucoup de... Bon, les musulmans épousent leurs cousines, cousins. Mais moi, je vais te parler de moi, je vais vous parler de moi personnellement. Déjà, bonjour à tous qui nous écoutent. Moi, je suis une femme de 42 ans. J'ai connu mon mari, j'avais 18 ans. On était au lycée, en terminale. J'ai eu le bac. Moi, je suis restée en Afrique. Lui, il est parti en Côte d'Ivoire continuer ses études. Après, il est revenu. Quand il est revenu, je suis sortie avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de riche, hein, très, très bien. Bon, parce qu'il part, on ne s'était rien promis, OK? Donc, quand il revient, il me trouve avec cette personne-là. Il trouve que, voilà, que ma vie était très, très belle. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je venais en France, mon copain que j'avais, il était ministre en Afrique, hein. Je venais en France, j'avais tout, j'avais une voiture, j'avais une grosse villa. Après, bon, c'est dans ce genre de choses, quand on vient en Afrique, parfois on se met avec quelqu'un d'un certain âge, même d'une certaine classe sociale, parce que nos parents sont peut-être pauvres, parce que tu vas avoir une vie assez aisée. Donc, mais quelque part, tu aimes toujours quelqu'un, moi je l'aimais toujours. Après, je me suis dit, bon, il est revenu, je me remets avec lui. Mais je lui avais dit, voilà, j'ai telle personne, cette personne, tant que j'ai pas ma licence, j'arrête pas, parce que c'est lui qui paye mes études. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on se met ensemble, je tombe enceinte de mon enfant, bim, je sais comment, je ne peux pas dire à l'autre personne que c'est son enfant, alors que ce n'est pas vrai. J'ai décidé d'accueillir mon enfant, je viens en France, je fuis l'Afrique, je viens accoucher en France parce que j'avais peur de l'autre, tu vois, qui s'occupait de moi. J'arrive ici,
voilà, tout se passe bien, j'accouche mon enfant et tout. Le gars qui m'épouse, il dit qu'il n'y a pas de souci. Mmh. Elle vit avec 4 enfants. Je suis venue vivre en France. Mmh. J'ai pris un appartement avec lui. Mmh. On a mis nos 2 noms sur la boîte, mais lui n'avait pas encore les papiers. Moi, j'avais les papiers parce que les enfants étaient nés sur. Mon premier fils m'a donné les papiers parce qu'il était né sur le territoire. Il y a encore la boîte. Donc, vous avez eu 4 enfants. Attends, si j'ai bien compris. Allô? Vous avez eu 4 enfants avec votre copain pendant que vous faisiez croire à l'autre que ce sont ses enfants à lui ou bien vous non, avez. Non, 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 pas du tout. J'ai dit, j'ai fui. La première grossesse. Parce que j'avais peur de l'autre. Voilà, à la première grossesse, vous avez arrêté. Oui, 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 okay. la première, après la deuxième grossesse, je le voyais, je voyais plus l'autre, j'étais derrière mon, okay, mon d'accord. ex-mari. D'accord. Donc, on a vécu comme ça pendant 9 ans. D'accord. Moi, je vivais ici en France, lui, je vivais au Cameroun. Hein. Mm-hmm. Bon, tu peux imaginer, je lui ai dit, viens, viens, il me dit, non, moi, je n'aime pas la vie de l'Europe, avec tout le bagage intellectuel que j'ai, je ne me vois pas en train d'être, comment on appelle ça, vigile, ou bien, je lui ai dit, ok, fais comme tu veux, mais moi, la seule chose que je te demande, c'est je te demande d'être honnête envers moi et les enfants. Mm-hmm. Parce que moi, je sais qu'un homme qui vit loin, et en fait, deux personnes qui sont en couple à distancier, ça ne marche jamais. Mm-hmm. Il m'a juré tous les deux, non, t'inquiète pas. Moi, je vivais en France, et je travaillais, donc ici, je travaillais, tu vois, j'avais 4 enfants, j'avais quand même des allocations familiales, puis j'avais 2 boulots. Mm-hmm. Donc j'avais quand même pas mal d'argent de côté. Mm-hmm. Donc je lui ai dit, oui, je veux que tu me donnes si, que tu me prêtes si. Je lui ai dit, moi je n'ai pas. Genre, je viens de faire de prêter l'argent. Je suis une amie, je lui ai donné. Mm-hmm. Devine combien? 50 000 euros. Mm-hmm. Il me dit qu'il a une affaire, il a une affaire en Afrique, machin. Il dit, ok, c'est pour nous qui bien, c'est pour les enfants. Mm-hmm. Entre temps, moi j'ai investi ça et mes parents, on doit cracher d'après avec lui aussi. Mm-hmm. Elle dit, pour rembourser les 50 000 euros, il voulait lui rembourser le prêteur. C'était quoi? C'est que, oh, on m'a dit que tu étais une pute, machin, tout, je donne pas, pas comme on apprend que c'est ta copine. Et problème, bim, bim, bim. Je m'énerve, je reste avec mes enfants. Ok? J'ai dit, je commence à les élever. Tu connais la meilleure? Un jour, je suis assise chez moi. Mm-hmm. Je vois son mariage sur Facebook. Mm-hmm. Je dis aux femmes, sois forte. Je vois son mariage. Il pose une fille. Facebook, je vois, c'est ma copine qui m'appelle, elle me dit, à telle page, je dois voir quelque chose. Parce qu'elle n'avait pas le courage de me le dire. Moi, j'ai vu, elle dit, depuis ce jour, je suis brisée. Je déteste l'homme. Je ne sais même pas si je vais me remettre avec quelqu'un. Je crois que je vais mourir comme ça. Je me vois même, parce que tous les hommes qui m'approchent maintenant, en fait, j'ai peur de l'image, tu vois. Je me dis, mon Dieu, il va revenir me faire pareil, je ne veux pas. Donc ça, je dis, nous, les femmes, comme tu disais, il faut que les hommes soient honnêtes. Mm-hmm. Il faut que les hommes soient honnêtes. Bon, je peux parler maintenant. Je vous écoute, mais il y a une partie où vous n'avez pas été honnête, vous aussi. Si, ma chérie, si. Non, parce que le monsieur que vous avez laissé pour ce copain-là, vous aussi, c'était un gars de transition pour vous, puisque vous ne l'aimez pas, vous étiez avec lui. Mais non, c'est comme ça que j'ai pris la peine de t'expliquer au départ. Oui, mais ça veut dire que peut-être aussi. C'est pas comme si c'était peut-être le karma et que les autres hommes sont non, pas mais mauvais. Lui, il était marié, lui. Hey, ça, c'est grave. Hein. Ça, c'est triple péché. Ça veut dire que toi, tu te mets en couple avec un gars qui est déjà marié avec une autre femme. Et ce gars-là, c'est ton gars de transition. Pendant que toi-même, tu avais ton vrai gars que tu aimes. Ça, c'est compliqué. Hein. Tu penses pas que Dieu aussi va se fâcher par rapport à ton comportement? Oui, non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que Dieu peut s'agir. Mais quand je demande pardon à Dieu, je te pardonne, non? Oui, il te pardonne, mais tu n'en veux pas aussi à toute la gente masculine. Parce non, que c'est comme si. Marié. Non, c'est comme si toi aussi tu avais montré à l'homme aussi que tu n'étais pas honnête, puisque l'homme est venu te retrouver dans une relation. Et tu n'as pas laissé cette relation-là pour te mettre à lui. Tu as préféré sortir avec les deux en même temps. Donc imagine aussi l'information que tu lui as donnée à cet homme-là. Tu lui as donné une mauvaise information. Peut-être c'est pas comme ça que tu étais, parce que tu étais dans un problème où il payait ton établissement et que celui avec qui tu étais n'avait pas cette possibilité. Mais lui, il va pas comprendre ça comme ça. Il va te se dire que tu n'es pas une bonne femme puisque tu te sortais avec 2 hommes en même temps. Non, t'as pas compris. Je dis, quand mon mari, mon ex-mari est parti à Abidjan, à l'université, moi, je suis restée au Cameroun, notre relation s'est arrêtée. Oui, il n'y a pas de quand il est revenu. Quand il est revenu. Et quand il revient, bref. Bon, mon amour, j'avais toujours de l'amour pour lui. Oui, mais au moment où il est revenu et que tu ressentais toujours de l'amour pour lui, pourquoi tu t'es pas séparé de ce monsieur que tu ne ressentais rien et rester avec ton amour tranquillement? C'est en ce moment-là que tu devais te séparer de lui, puisque tu t'es rien promis à l'autre, tu savais pas que l'autre allait revenir. Mais quand tu as revu l'autre, l'amour était là.
Et c'est un fait que l'amour soit là. Mais en restant avec le monsieur qui s'occupait de toi, tu avais déjà commis l'erreur. Tu as commis l'erreur parce que tu as donné l'information à ton copain que tu es capable de sortir avec deux hommes en même temps. Donc lui s'est dit que peut-être lui le Cameroun, toi tu es en France ici, tu es un autre gars. Il ne va pas te faire confiance puisque tu lui as donné de mauvaises informations. Mais j'avais quatre enfants. Quatre enfants, juste quand même. Oui, mais c'est, il n'a pas dit que c'est de ta faute. Et je ne dis pas que c'est de ta faute. J'ai dit que le gars, il n'est pas bon. Mais l'information que tu lui as donnée, ça fait que lui, déjà dans sa tête, il est bloqué. Puisqu'il s'est dit, si elle est capable de sortir à un mois et en même temps elle le monsieur par rapport à l'argent, il peut se dire que tu sors avec quelqu'un d'autre en France, puisque lui n'a rien et que toi tu lui rapportes de l'argent. Donc il s'est dit aussi automatique. C'est pour ça que je lui ai dit que lui, moi je pense qu'il était venu vers moi à cause de mon argent. Parce que la preuve, même quand il est parti, c'est les quatre enfants, il ne s'en occupe pas. Je m'occupe de l'enfant toute seule. C'est la mode des garçons comme ça qu'on s'en choisit et puis c'est de notre faute là. Faut pas. Il faut souvent se dire que nos parents, ma mère avait tué contre ce mariage. Ma mère n'avait pas voulu, ma mère a même pas voulu. Faut pas en vouloir à tous les autres garçons. Faut pas, tu as les en vouloir. Si tu recherches, un homme, si tu veux vraiment avoir encore une nouvelle relation, enlève tout ça de ta tête et recommence quelque chose de. Parce que j'arrive pas. J'ai vu tous les psychologues, les traitements, tout, j'arrive pas. C'est trop compliqué. J'arrive pas du tout. Donc, c'est que toi-même, tu n'as pas envie de te remettre avec un autre homme. C'est pas un besoin pour toi. Voilà, peut-être c'est pas un besoin pour toi, comme moi. Peut-être tu cherches pas. Voilà, donc si tu cherches pas, tu peux te braquer. Mais si c'est quelqu'un qui cherche à rencontrer l'amour, ma chérie, fais un travail sur toi et efface tout ça de ton esprit et tu vas rencontrer une nouvelle personne. Si tu es honnête, ça va bien se passer. C'est ça qu'on finit. Il y a Zénab. Quand ça va aller? Ça va aller où? Vous arrivez du scotch, non? Non. Je sais pas comment. Je sais pas comment caler ça. Caler quoi? Ça. Ah, oh, il est. Vas-y. Ma vie. C'est bon. Laissez ça comme ça, après moi je vais coller. Il faut vraiment faire attention, c'est très fragile. Ah. D'accord, y'a pas de soucis. Tu vas coller, ne vous inquiétez pas. Vous avez changé le fil, c'est ça? Ouais, j'ai refait une soudure. Je vais coller. Si je trouve, pendant que vous êtes là, si je me rappelle d'où j'ai mis, pardon, je vais vous donner. Alors juste vous le laissez comme ça et vous le scotchez. Oui, je vais le scotcher. Et vous là, ne me mélangez pas et laissez causer à la femme tranquillement. On a fini par l'en passer à autre chose. Ne venez pas argumenter, c'est quelque chose qu'on a déjà argumenté. Elle dit je n'ai pas bonne. Elle dit je n'ai pas bonne. Moi je suis pas bonne. Ah, c'est-à-dire que ou quelqu'un vient chez moi pour dire que il lui dit que ah ma chérie, il fallait pas expliquer tout ça là. Fallait expliquer la partie là seulement où ton gars est venu puis tu t'es remis à lui et puis tu l'as aidé et puis aujourd'hui il est parti là. Mais moi je dis que tu étais avec un autre gars pendant que tu étais avec le gars. Ah ma chérie, vrai là. Qui va avoir confiance? Personne ne va avoir confiance. Personne ne va avoir confiance.
Eh, mes abonnés, laissez-moi en paix, laissez-moi en paix. Ne me faites pas rire. La femme, là, son bras est sourire. Elle va lui donner conseil. Ne venez pas. Après, vous faites comme ça. Et puis après, on dit que c'est bon, je suis pas bonne. Vous avez fait la dernière fois, la femme qui a appelé, là. Il a fait, la femme, là, s'est fâchée. On est obligé d'appeler la dame pour lui demander pardon. Arrêtez. Mettez autre commentaire. Si vous allez me faire rire, elle va penser que je suis en train de rire d'elle. Je ne suis pas de votre truc, là. Arrêtez. Ah. Oula. Pardon? Vous essayez de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, je pense, parce que ça a allumé là, non? Ouais, c'est bon. Donc, il n'a hein, pas ses faits. Ok. Attendez, hé, ma télé. On télécommande de la télé. Tous mes enfants me télécommandent. Voilà, vous me cherchez les problèmes. Oui, oui, oui. Bon, c'est comme ça, elle aussi, elle a payé parce qu'elle a abusé de l'autre aussi. L'autre aussi, il va payer parce que, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai dit que le karma, là, vraiment... Bon, je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas vraiment. Ça dépend de comment tu demandes pardon à Dieu. Ça dépend de comment tu te repens. Vraiment, ça dépend. Sinon, en tout cas, moi, quelqu'un même qui se va se mettre en couple avec quelqu'un même qui a déjà un mari, en tout cas, tout ce qu'il va raconter, il n'est pas écouté. Parce que la personne est déjà mariée. Et toi, tu sais que la personne est mariée. Et puis, tu tentes te mettre en relation avec cette personne-là. Tout ton problème que tu as m'expliqué, je ne vais rien comprendre. Moi, personnellement, je ne vais même pas t'écouter même. Parce que je vais dire que c'est de ta faute. Tout ce que ça va t'arriver, tout ce que l'homme-là va te faire, même si l'homme-là laisse sa femme d'aimer pour se mettre avec toi, je vais dire que c'est de ta faute. Ça ne ment pas. Le gars a déjà sa femme. Bêta, tu vas chercher quoi là-bas? Tu vas chercher quoi là-bas? Quand on construit étage sur étage, c'est pour toi. Si tu souffres là-bas, c'est ton problème. C'est comme une maîtresse qui vient s'asseoir pleurer, il est méchant. Mais ma chérie, pardon. Pardon. Laisse la femme mariée là-bas pleurer. Toi, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu dois supporter. Tu dois sauf que supporter. Tu dois sauf que supporter. Donc, moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Une fois que tu me dis que le monsieur là même est déjà marié et que je sois élu, je ne t'écoute plus. Ça veut dire que tout ce que tu entends de raconter là-même, ça n'a pas de sens pour moi. Et j'ai souffert dans cette relation. Quand sa femme l'appelle, je supporte, j'ai supporté. C'est pas facile. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Moi, les maîtresses, ça, je les ai jamais écoutées. Je les écoute pas. Parce que je trouve qu'elles sont stupides, elles sont bêtes. Moi, une fois que je vois une fille qui se met en couple avec un gars qui a déjà une go, je n'ai plus aucun respect pour elle. Je n'ai aucun respect pour elle. J'ai de la considération pour elle. On peut la voir. Je la salue. Nénéné. Mais dans ma tête, c'est déjà bloqué. C'est déjà bloqué. Ça veut dire que tu dois faire effort sur toi. Même si tu ne savais pas. Qu'après, tu as su. Faut laisser. Faut laisser. Maintenant, si tu restes dedans, tu pleures quoi? Tu pleures ta mort. C'est pas toi qui dis que tu veux. Bon, tu dis que le gars t'a blagué. Maintenant, tu sais la vérité. Tu dis, bon, c'est pas grave, je suis déjà dedans, je l'aime, je vais rester. Et tu restes, tu te plains pas. Tu restes et tu te plains pas. Voilà. Donc, les femmes qui sont déjà en couple avec des gens qui sont mariés, qui font semblant de souffrir, là, vous souffrez quoi? Vous souffrez votre mort. On n'a qu'à avoir pitié de vous aussi. Et on peut pas avoir pitié de vous, hein. On ne peut pas avoir pitié. Si vous avez des gens même qui vous réconfortent, même, dites Dieu merci. Coach Isa aussi va venir pleurer. Et on a eu la tort. Hein. Mmh.
Qui t'a envoyé? Aïe! Toi-même, tu es tige, et puis tu t'en cherches un client pour venir compléter si ton tige, il y a que tu fais. Hé! Hey, Adam, on peut faire ça. Non, femme construit immeuble. Non, femme construit maison sur immeuble. C'est femme qui peut construire maison sur immeuble. C'est-à-dire qu'on cherche terrain pour construire maison. Non, elle, l'immeuble est là. Et puis elle s'en va en haut d'immeuble là pour payer le terrain d'en haut d'immeuble là pour construire maison dessus. Hé! Hey, toi-même, tu es deuxième modèle. Tu es tisa d'un gars. Et puis tu t'en vas chercher toi-même ton gars encore pour venir compléter dans ça. Et puis ton gars là te montre piment et puis nous on a qu'à pleurer à toi. Oui. Tu vas pleurer toute seule, madame. Moi, je ne suis pas bonne. Oh. Je ne suis pas bonne. Vous ne venez pas m'expliquer vos problèmes. Et puis toi, tu dis que tu es fâché avec les garçons. Oui. Mais les garçons seront quoi avec toi? Eh, si toi tu es fâché les garçons, c'est que nous on dit quoi? Aïe, ma chérie, faut reposer ton cœur. C'est vrai que c'est dur. Tu as eu des enfants. Tu dis que nous on est bêtes. C'est un modèle qu'on pour moi là. C'est un modèle qu'on pour moi là. Vraiment. Ma chérie, attrape ton cœur. Tu reprends tout à zéro. Tu effaces. Voilà. Voilà, c'est ça. Reposer ton cœur, ma bien. Faut commencer d'abord à corriger ta moralité d'abord avant de chercher la moralité des autres. Mais c'est vous qui avez commencé. Je ne suis pas bonne. Eh Dieu, eh Dieu. Je ne suis pas bonne. Oh. Je ne suis pas bonne. Ça va, vous avez fait que tous mes abonnés ne vont plus jamais m'appeler. Vous avez fait que mes abonnés ne vont plus m'aimer. Je ne suis pas bonne. Je vous dis depuis le début que je ne suis pas bonne. Et puis je n'arrive pas à m'empêcher à passer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va appeler, va envoyer un autre sujet. M'a donné à appeler parce que si moi, c'est ça seulement qui est dans ma tête. Ouais. Si je ne passe pas à autre chose, il n'y a plus que parler de ça. M'a donné à appeler, on va passer à un autre sujet, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a témoignage. Appelez témoigner. Il n'y a pas appelé témoigner, il n'y a pas quelqu'un qui a appelé pour me sauver. Attendez, il va couper, c'est ça seulement qu'il y a dans ma tête. Hey, je ne suis pas bon. Allô? Oui? Hein? J'entends pas, hein? On ne vous entend pas du tout, c'est... le volume est très bas. Oui. Hein? Donc, le bureau, on vient pour faire quoi? Pour l'encourager, pour la produire. Elle est l'oubli que les deux. Madame, faut pas venir rajouter au pardon, faut pas venir rajouter. Il a déjà fait le travail là. On va rajouter sur elle. Non, c'était le passé. C'était le passé. Elle expliquait pour montrer la méchanceté du monsieur. C'est moi, je suis sortie de ça pour aller expliquer autre chose, pardon. Faut expliquer notre témoignage avant de passer. Elle a compris, pardon. Elle-même, elle a raccroché, elle a compris, pardon. Pardon, c'est la vie des gens. Elle souffre de ça. Faudrait pas qu'on vienne remuer le couteau dans la plaie. Pardon, à cause de Dieu. Mais nous, on dit quoi? Nous, là, on dit quoi? Hein? On dit, c'est pas grave. Elle va recommencer et tout va bien se passer. Ok, merci pour l'appel. Merci. Il n'y a pas appelé témoigner. Il n'y a pas appelé témoigner. Appelez témoigner. Vous n'appelez plus pour témoigner. Vous avez peur de moi. Vous n'appelez plus pour témoigner. Vous avez peur de moi maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand il a déposé mon téléphone, et puis là, je vais appeler. Ils vont plus appeler. Oh. Hey, Dieu aide vie. Non, c'est ça qu'il disait là. Donc, vous les hommes.
Donc, vous les hommes, vous appelez. Vous appelez. Vous quittez en Afrique. Vous avez laissé vos femmes là-bas. Et puis, vous venez en Europe. Vous ne pouvez pas rester dans vos coins jusqu'à quand vous allez vous en sortir. Vous allez partir chercher vos femmes là-bas pour venir. Pourquoi vous venez nous déranger, nous qui sommes ici? Ou bien ceux qui sont ici qui savent que leurs parents ont déjà programmé une femme pour eux là-bas. Là. Ne venez pas nous déranger. Laissez-nous un bon modèle de ceux qui sont ici là. Allô? Oui, bonjour Adi. Oui, bonjour. C'est Edwige? Oui, c'est Edwige. Oui, moi je voudrais, quand tu veux qu'on ne rajoute pas sur l'histoire de la dame. Mm-hmm. Ce matin quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu quelqu'un, mm-hmm. qui était fan aussi, hein. J'ai vu quelqu'un qui expliquait qu'il est en France ici, il est sans papier. Mm-hmm. Et que il avait eu un enfant avec une femme qu'il avait mariée coutumièrement en Afrique, en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, quand cette dernière est allée accoucher, mm-hmm. il a eu une copine dehors avec laquelle il a fait un autre enfant. Uh-huh. Et les deux enfants ont 6 mois d'écart au niveau de l'âge. Uh-huh. Et aujourd'hui, le monsieur est en France, uh-huh. et il a pris les papiers pour faire venir, mm-hmm. Sa femme et ses enfants. Mm-hmm. Sauf que la femme... La femme, la concubine, mm-hmm. La première concubine, mm-hmm. elle dit qu'elle ne viendra en France qu'avec elle, sa fille. Mm-hmm. Et le monsieur appelle pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Voici, mm-hmm. le sujet. Mais maintenant, c'est simple. Elle vient avec sa fille. Attends, donne-moi de laisser mon enfant, mais puis de prendre enfant de quelqu'un d'autre pour venir. Mais ça, c'est pas une question à se poser. Elle vient avec sa fille. Mais c'est la deuxième concubine, là. Oui. C'est sa fille à elle qui va rester. C'est elle qui va sacrifier, en fait. C'est la fille âgée qui doit partir. Oui. Tu comprends? Elle arrive. Mais c'est pas comme ils vont sacrifier. Il peut attendre, l'enfant est petit. Il peut donner l'enfant à sa mère. Et puis quand il aura ses papiers, quand lui et puis sa femme vont s'en sortir, ils vont faire un regroupement familial et puis la petite va venir. Pourquoi la fille sera sacrifiée? C'est pas parce que c'est elle qui vient en dernier qu'elle sera sacrifiée. Moi, je ne vais pas laisser mon enfant là-bas. Peut-être que le monsieur l'a expliqué. Ça veut dire que l'enfant, ils sont un peu grands. Hein. Mm-hmm. Ils sont un peu grands. Donc, ça veut dire que la première... Non, mais ils sont pas grands puisque le monsieur qui dit qu'il a 30 ans. De la deuxième. Le monsieur, il a 30 ans. Donc, il ne peut pas avoir des enfants qui sont grands. Parce que j'ai entendu l'histoire aussi. Ah, d'accord. Tu t'as parlé, c'est bon alors. Oui, le monsieur, il a 30 ans. Un monsieur qui a 30 ans. Il a une femme qu'il a mariée quotidiennement et il a deux enfants. Et les deux enfants ont 6 mois d'écart, c'est ce que j'ai entendu. Et oui. C'est quand l'autre était enceinte qu'il a enceinté l'autre là-bas parce qu'elle était partie en famille, parce que sa grossesse, voilà. Donc, il a enceinté une autre. Et sa femme, qui est gentille, a récupéré son enfant qu'il a fait dehors et c'est sa femme qui s'occupe des deux enfants. Mais est-ce que ça, c'est une question à se poser? Regarde le comportement de la femme qu'il a. Ça ne veut pas dire que l'enfant est sacrifié. Tu n'as pas me dire, moi, de laisser mon enfant pour prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. L'enfant que toi-même, tu vas-tu faire ailleurs? Mais toi, tu prends l'enfant, tu vas donner à sa mère s'occupe de l'enfant. Et moi, elle dit à mon enfant, je ne peux pas laisser mon enfant là-bas, prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour venir. Pourquoi? Pourquoi elle ne vient pas avec les deux? Mais on dit que c'est deux personnes qui peuvent venir. Tu dis, elle ne vient pas avec les deux. On dit que c'est deux personnes qui peuvent venir. Donc, il n'a qu'à soulever ses deux enfants pour les envoyer. Il va laisser la fille là-bas. Non, ça aussi, je ne peux pas non plus. Ah, mais donc, moi, je ne peux pas laisser mon enfant là-bas pour prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Non, mais on ne te demande pas de laisser ton enfant. Lui, dès qu'il a expliqué, je me suis dit qu'il peut venir avec, il peut voir sa femme et expliquer à sa femme que les deux enfants... Ton père va accepter. Faut pas accepter, ma chérie. Viens avec ta chose. Viens avec ta part que tu as portée. J'étais détourné avec l'histoire. Hein. Tu penses à notre histoire maintenant. Oui, non, je ne pense plus à ça. Merci beaucoup. Viens avec ta part. Ma chérie, laisse pas ton enfant là-bas. Prends ton enfant, tu viens. Il n'a qu'à faire venir pour lui aussi. Pourquoi? Vous allez cotiser, vous deux, vous allez faire venir l'autre. Tu dois être reconnaissante. Oui, parce que c'est un enfant que tu as élevé. C'est un enfant que tu as accepté. Pas parce que tu laisses l'enfant là-bas que tu vas empêcher l'enfant de venir. Si tu viens avec ton mari, vous devez vous cotiser l'argent, puis vous faites venir l'autre enfant. C'est ça une bonne femme. Je ne vais pas laisser mon enfant là-bas pour prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour venir. Pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi vous voulez obliger les femmes à se sacrifier, à montrer qu'elles sont trop bonnes?
Non, mais elle dit, je n'ai pas demandé que la femme laisse son enfant là-bas. Hein. Mmh. Parce que j'ai dit, elle peut venir avec les deux enfants. Elle dit que c'est deux billets. Tu dis, elle peut venir avec les deux enfants. Maintenant, vous laissez la femme là-bas, vous prenez les deux enfants, non? On n'en parle plus? Non, pourquoi? Aïe, maintenant, pourquoi tu dis qu'elle n'a qu'à laisser pour elle? Elle dit, c'est pas ce qu'il a dit. Aïe, mais il insiste sur la question. Moi, il a déjà répondu, il insiste dessus. Il va me dire, il veut me faire dire autre chose. Il sait déjà ma pensée. D'accord. J'ai une autre information pour toi. Hein? J'ai pas talent, je sais où il travaille. Mon frère, pardon, on dit, on parle plus de ça. Pardon. Beta. Le comportement qu'il a sur Facebook. Beta, pardon, au revoir, pardon. Oui? Pardon, il a changé de sujet, oh. Il s'est loué, pardonné. Les gens qui sont affairés jusqu'à là, quand la parole finit, ils ne veulent pas laisser la pardonner. Bon, on va parler du jeune. Pourquoi vous voulez que la femme là laisse son enfant? Une femme comme ça, qui laisse son enfant là-bas, et puis qui vit avec l'enfant de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une bonne mère. Mm-mm. Ma chérie, si tu m'entends, prends ta chose, tu viens. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Pourquoi tu as laissé ton enfant là-bas? Pourquoi? Pourquoi être aussi... Faire montrer que tu es trop gentil. Les gens qui montrent qu'ils sont trop gentils sont méchants en réalité. Moi, je laisse pour moi, et puis je prends pour toi, je viens. Bon, si ça n'a pas marché, si depuis on essaie de faire venir l'autre là, que ça ne marche pas, que ton enfant reste là-bas. Pas par mauvaise foi, hein. Parce qu'il y a des fois aussi, c'est ta chance qu'elle a. Tu vas laisser ta chance pour donner la chance à quelqu'un d'autre. Monsieur, si tu as deux billets d'avion, prends tes deux enfants, tu viens. Après, tu trouves une solution pour venir te faire ta femme. Si tu es venu faire ta femme, fais venir ta femme et ton enfant. Mm-hmm. Et si tu es un bon père, tu vas trouver les moyens de faire venir ton enfant. Viens pas nous embêter avec les histoires qui n'ont ni tête ni queue. Histoire qui est facile à régler comme ça. Vous voulez montrer que les gens sont méchants. Il y a des femmes même qui me dépassent, quoi. Ça aussi, c'est question pose. Que entre l'enfant de mon mari et moi, mon enfant, c'est qui il doit faire venir. Il fait venir mon enfant. Après, on va venir faire venir l'enfant de mon mari. Il fait venir l'enfant de mon mari. Puis moi, mon enfant va rester là-bas. Je connais ce qui va se passer demain. Je connais la programmation de Dieu. Je connais dans le temps. Je connais dans le futur. Je sais ce qui va se passer. Aïe. Un chien. Vraiment, vous devez donner complications aux femmes. Hein? Et puis toi aussi, tu poses. Mon frère, toi, tu es sûr que tu aimes la femme là-même. Ça, c'est une question que tu as posée à ta femme. Et après, tu as dit que c'est elle qui a fait que ton enfant est resté là-bas. Toi-même, ce n'est pas une solution que tu pouvais trouver sans même t'asseoir sur Facebook pour venir raconter ton histoire. Il a écouté l'histoire, il n'a pas envie de te gifler dans le téléphone. Là. Pourquoi tu veux mettre la femme là, dans une mauvaise position forcée? Toi-même, tu n'as pas la tête pour réfléchir, pour savoir que tu dois la faire venir avec son enfant. Hey! Pourquoi vous voulez mettre les femmes dans des situations inconfortables? Ça, là, maintenant, la fille est là-bas. Hé, j'ai choisi où? Si je prends mon enfant, on va dire que c'est mauvaise. Si je prends l'enfant de l'enfant de l'autre là aussi, on va dire que moi, j'ai préféré, j'ai pris l'enfant de l'autre. Hé, je vais laisser mon enfant là-bas. Je vais laisser mon enfant là-bas. Puis, je vais prendre... Pourquoi même fatiguer l'esprit de la pauvre fille? Si tu n'as pas les trois billets d'avion, il ne faut pas nous emmerder. Allô? Edwige, bonjour. Oui. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est pour intervenir sur le sujet dont le monsieur a mis sur le tapis rouge ce matin. C'est oui, on vous écoute. Moi, laisser mon enfant pour un enfant d'autrui. Parce qu'il n'y a pas de sang dans mes veines. Eh? Parce que mon cœur est trop généreux. J'ai pris. Et si demain, le monsieur vient ici avec les deux enfants, lui, il va tout faire un trou dans son matelas pour pouvoir verser l'eau dedans? Donc je viendrai avec mon mari, puis l'enfant restera là-bas. On va réfléchir ensemble pour récupérer l'enfant. Maintenant, si le monsieur ne vient pas, tous les deux enfants resteront. Le monsieur même va rester avec moi. Et puis on fait notre vie là-bas. Il n'y a pas trop à réfléchir là-dessus. Arrêtez, c'est que nous les Africains, on est là à réfléchir tellement qu'il n'y a plus de solution dans les problèmes. Vraiment. Quand le monsieur viendra ici avec les deux enfants, arrivé ici, il ne va pas vider sa goutte. Il va rester comme ça? Il va faire un trou dans son matelas? Il ira chercher encore une autre femme? Non, monsieur, t'as tiré à tête. Toi et moi, on vient ici avec mon enfant. Point final. Ah, c'est une ici.
Ok, d'accord. Elle dit, elle ne peut pas laisser. Moi-même, il dit que on n'a qu'à faire venir les deux enfants, on va laisser la femme là-bas. Elle dit que elle ne peut pas. Parce que si son mari dit tout seul, là, c'est pas bon. Parce qu'il ne peut pas faire tout dans son matelas pour Mougou. Donc là, elle va venir forcer. Pour ne pas qu'elle laisse son mari et puis quelqu'un d'autre va le récupérer. Donc elle va venir forcer. Et puis elle vient avec son enfant. Arrivé ici là, ils vont s'entraider, ils vont cotiser ensemble et puis ils vont faire venir l'autre. Je viens avec mon enfant parce que les gens vont parler. Ça sera quelque chose de deux à trois jours, ils vont passer à autre chose. Mais qui a quel même de parler même? Arrêtons de réfléchir. Ça. Non mais c'est aberrant quoi. Qui a quel même de parler? Parce qu'il a pris mon enfant pour venir te fâcher. Mais vous te fâcher? Hey. Madame, si tu écoutes Elvise là, viens avec ton enfant. Viens avec ton enfant. Viens. Mais tu viens avec de bonnes intentions. Tu sais que tu dois faire venir l'autre. Je suis au boulot, je me suis cachée. Ok, d'accord. Merci. Tu viens avec ton enfant, mais il faut être de bonne foi. Même si ça ne marche pas, même si ça ne va pas, il faut être reconnaissante que tu as laissé un enfant d'Afrique, que tu avais accepté, que c'est ton enfant aussi, et que tu dois faire venir l'enfant. C'est tout. Mets ça dans ta tête, même quel que soit le problème qui vient, la reconnaissance qui t'a fait venir avec ton enfant, là. Vous deux, là, tu dois penser aussi à l'enfant qui est là-bas. Et fais tout pour que l'enfant puisse venir. C'est fini. Sinon, tu viens avec ta part. Quand tu laisses ta part là-bas, aïe. Vraiment, d'où sont ces gens d'hommes irresponsables et immatures qui doivent laisser les femmes? C'est-à-dire que quand il y a des décisions, des mauvaises décisions à prendre, là, quand les décisions deviennent compliquées, là, j'ai comme l'impression que le cerveau des hommes, là, ça sature. Ça arrive à saturation. Donc eux, là, ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils sont bloqués. Et puis maintenant, ils posent la question. Demain, c'est pour dire que hey, c'est ma femme qui avait décidé, c'est pas moi. Toujours pour se montrer, hey, ils sont bons, et puis nous, on n'est pas bonnes. Oh, j'ai laissé mon enfant là-bas pour venir en France. J'ai laissé mon enfant dans qui même. J'ai laissé mon enfant dans qui. La question, on ne pose pas. Hein. Ma chérie, tu laisses ton enfant dans qui. Bêta, l'enfant que tu as récupéré là, il a sa mère qui va lui donner autant d'amour. Tu prends l'enfant, tu vas le déposer chez sa mère. Sa mère va s'en occuper. Tu prends ta chose pour toi, ta part là. Tu prends, tu viens. Et puis si vous cotisez, cotisez, vous faites vite avant que la femme là va ménager la tête de l'enfant là. Faites vite. Il y a ça aussi qu'elle a. Hein. Avant que la mère là, elle va ménager la tête de son enfant là. Cotisez l'argent là vite, vite pour faire venir l'enfant là. Parce qu'elle ne partait pas chercher poison pour revenir après. Cotisez l'argent vite, vite. Au moins un an, vous avez eu l'argent. Vous faites business, vous faites venir l'enfant. Puis vous vivez vos vies. Donc c'était un peu ça. Voilà, on parlait des hommes irresponsables de la France, de l'Europe. Voilà. C'était un peu mon direct d'aujourd'hui. Je pense que les gens ont peur de m'appeler maintenant. Ils savent que je vais les jenser. La perruque là commence à fatiguer. Trop portée. Quand tu vas laisser ça avec la belle-sœur, je ne laisse pas avec ma belle-sœur. Prends ma part pour venir. Hey. Donc c'était un peu ça. De rappeler pour demander pardon à la dame. Non, elle sait, elle me connaît. Moi, mes abonnés me connaissent maintenant. Ils savent que je ne suis pas trop normal. Donc, alors que je vais rappeler pour lui demander pardon, il sait qu'elle me suit. Je m'excuse. En fait, je suis tellement véridique. J'essaie tellement d'être honnête que des fois, il y a certaines choses que je fais. Vous devez comprendre que j'ai un niveau d'immaturité qui est très élevé. J'ai un niveau aussi. C'est-à-dire que mon cerveau réfléchit bien pour les autres, mais ça réfléchit mal pour moi. Ça veut dire que si moi-même j'avais la tête pour réfléchir
dans de bonnes. C'est-à-dire que quand le problème est pour quelqu'un là-bas, peut-être réfléchis mieux que quand le problème là est pour moi. Sinon, il n'est pas me retrouver à un modèle comme Kanté pendant combien d'années? Il y a longtemps. Bullshit. Donc, des fois, là, tu règles mieux les problèmes des autres que toi-même tes problèmes. Non, ma chérie, c'est pas pour toi. Moi-même, là, qui suis assise ici, là, même, là. Si on explique mon affaire aux jeunes, de toute façon, les gens vont me laver, là. Donc, prends pas ça pour toi. C'est-à-dire que nous, là, on s'est réfléchi pour les autres, on s'est pas réfléchi pour nous. Donc, faut pas te sentir frustré. Parce que moi-même, mon problème me dépasse pour toi. Toi, tu as 4 seulement. Avec le même père, tu vis bien, tu es en Europe, tu as ta maison, tu es tranquille. Moi, j'ai jusqu'à combien de modèles? Où est-ce que là, je suis? Où est-ce que toi-même? Moi-même, pour moi-même, c'est plus grave que pour toi. Mais j'ai la solution de pour toi, la plus que pour moi. Donc, tu ne peux pas te fâcher avec quelqu'un comme moi. Peut-être qu'il te demande pardon. Ou pas te fâcher comme quelqu'un comme moi. Moi-même, là, j'ai dépassé l'immaturité là, 150 000 fois. Donc, c'est causerie, copinage, amusement du quartier. Faut pas te fâcher contre moi. C'est-à-dire que toi, monsieur, tu expliques ma situation. Peut-être tu vas mieux expliquer ma situation que moi-même. Non, mon cas est plus grave que pour toi. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. C'était juste le sujet, on décortiquait. C'est tout. Sinon, moi-même, je ne suis pas parfaite. Si ma tête même était normale, il y a longtemps, il est jeté quand tu es depuis des lustres. S'il n'a pas pu voir qu'il avait femme là-bas depuis 2015 et qu'il restait lui jusqu'après 2015 jusqu'à 2020, on a fait 3. Tu vois, non? Tu vois le niveau du cerveau que j'ai. Donc, quelqu'un comme moi, comme ça, là, faut avoir pitié de ma. Moi-même, je ne suis pas. C'est pas bien. C'est-à-dire que depuis 2015, il a femme là-bas, il ne sait pas. Ici, là, en train d'accoucher sur moi, fiou. Quelqu'un comme moi, comme ça, là. T'as vu? Et il vit un mois, et puis la femme là-bas. Et puis moi, il ne sait pas. Jusqu'à il a préparé le mariage, il a organisé le mariage, il a fait des documents, il a fait tout. Fiou, il allait se marier. Je ne sais pas. C'est un modèle comme moi aussi. Tu as venu dire que. C'est mon modèle qui est là-haut. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Edith. C'est moi qui passais tout à l'heure. Oui. Je ne suis pas fâchée, je n'ai même pas raccroché. Mon téléphone, il s'est déchargé, en fait. Ah, vous avez compris, elle n'est pas fâchée. Quand j'ai voulu rappeler, j'ai vu que tu étais en ligne avec d'autres personnes. Non, je ne suis pas fâchée. Okay. Quand tu poses ton problème sur la toile, tu ne dois pas être fâchée, surtout envers toi. Bon, peut-être que je suis un peu déçue de certains internautes qui interviennent en disant des choses. Correct, mais l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, ce qui m'est arrivé. Mais ceux qui se moquent là, tant pis. Hein. Moi, pour moi, c'est une forme de thérapie, tu vois. C'est une forme de thérapie parce que les gens, à force de peut-être parfois garder les choses en soi-même, c'est souvent pas une solution. Mais moi, j'ai décidé, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs parce que toi, je te considère beaucoup sur la toile par rapport à d'autres cyberactivistes là. Ok, mais franchement, je suis pas fâchée, t'inquiète pas, ok, d'accord. Merci. Non, je ne suis pas fâchée, je t'ai soumis un problème, je pensais qu'on pouvait discuter avec les autres, mais là, les gens, ils prennent beaucoup plus le côté infidélité que j'avais avant, ils mettent l'erreur humaine, c'est arrivé. Après, un homme qui est sérieux, il pouvait partir au deuxième enfant, mais il attend au quatrième enfant pour partir. C'est le même modèle que pour moi, c'est ça. Comme son frère est venu lui dire que je suis sorti à lui, en temps je ne suis pas sorti à lui, il a reçu de mauvaises informations. C'est le même modèle, ma chérie. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Bon, tout ce que je veux t'expliquer, c'est que faut pas te braquer contre les hommes. Voilà. Non, j'ai peur. Non, faut pas avoir peur. Si tu souhaites, si tu n'es pas à la recherche, il n'y a pas de problème. Mais il faut te libérer pour dire que c'est lui. C'est lui que comme ça, c'est lui qui est ingrat, c'est lui qui n'est pas bon. Mais pas tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est sûr. Moi, j'ai une sœur. Mes sœurs font de très beaux mariages. Et maintenant, quand tu regardes même, je te pose la question de savoir pourquoi. Voilà. Mais bon. Après, moi, je dis aussi à mes enfants, je dis à ma fille est grande, ma première fille a 26 ans, je dis à ma fille, tu sais,
regarde pas tout ça. Papa et moi, on t'est peut-être pas fait pour vivre ensemble, tu vois, mais bon, après la vie comme ça. Hein. Non, si vous souhaitez encore avoir un autre homme dans votre vie, c'est tout à fait possible. Tous les hommes ne sont pas la même chose. Voilà. C'est tout. Ok, coucou, je vais te laisser. Ok, merci beaucoup pour l'ouverture d'esprit. Bon merci appétit, beaucoup. Hein. Ok. Au revoir. Au revoir. Eh bien fait, vous avez honte maintenant, vous pensez qu'elle était fâchée contre moi. Vous pensez que c'est les abonnés tâtons là. Elle me suit depuis longtemps, elle connaît mon modèle de bouche, non. Et il y a quelqu'un qui est venu mettre ici à dos ou à dos ou rien. Moi, il ne sait pas le sujet à quoi avoir à dos. C'est pas toi, il y a des bloqués, Ahmed, il y a des bloqués, c'est à voir. Quoi à dos ou rien. Edwige, je veux donner ma part de vérité. Appelle, non. Ida, appelle. Fofana, tu viens encore, Ahmed. Tu es là encore. Ok, faut me provoquer. C'est si tu as venu faire campagne, Nado. Donc c'était un peu ça. Ida, attends ton coup de fil et puis c'est bon. Le numéro d'appel, c'est le 0. C'est le 00333-7. Pour ceux qui veulent appeler par WhatsApp, venez. Je vais essayer d'écrire parce que moi, mon numéro là, je ne connais pas ma queue. C'est le 00333-7-52-39-83-19 07 52 39 83 19 07 52 39 83 19 00 33 7 52 39 83 19 S'il vous plaît, soyez ouvert d'esprit et acceptez les commentaires des fiches. C'est pas par là, c'est causerie. Non, si vous me connaissez mon modèle, de grâce, soyez tolérant à un mois. Soyez tolérant. Non, je n'ai pas changé de numéro, j'ai deux numéros. L'autre numéro là, c'est le 0. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est Edwige. Oui, c'est Edwige. Eh, ma sœur, sois bénie. Amen. Sois bénie. Oh, amen. Sois bénie. Amen. Parce que la part là, ça me dépasse. On parle comme les filles. Ça me dépasse. Après, si. Sonis. Allô? Oui. Je vous écoute. L'histoire ressemble à toutes les histoires. Nous tous, on est dedans, ma soeur. Je sais, oh. Je sais. Nous tous, on est dedans. Mm. Moi, j'ai eu deux enfants. Mm-hmm. Deux enfants, là, c'est accident. Toujours accident. Comment tu peux avoir deux enfants du même père et puis c'est accident? Mm-hmm. J'ai déjà vu ça où ça, ma soeur? Il y a déjà vu un mois. Ah, d'accord. Moi, c'est quatre. Je ne voulais pas. Jusqu'à quatre. Elle m'a piégé. Elle fait semblant de prendre grossesse. Elle veut l'argent de la CAF. C'est comme ça. Tu es enceinte et puis tu dis on t'a piégé. Non, mais les gens même qui portent à la CAF, là, ils sont 131 euros de la CAF, ça peut nourrir enfant. Tu dis 131 euros. Quand l'enfant vient de l'être, c'est pas 171 euros. Bébé, bébé, nguen, 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 nguen.
171 euros. On va payer quoi? Tu as fini de payer couche, tu as fini de payer lait. Quand tu finis même d'aller à Château Rouge pour payer un carton de thé. Maintenant, tu as fini de payer cantine scolaire. Parce qu'ils ne sont jamais là pour assumer. Tu as payé cantine scolaire. Tu as payé, si c'est quoi, école de quoi. Tu as fini de payer photo. Oh non, ma soeur, Yako. Parce qu'on est tous dedans. Tous dedans. Les femmes, travaillez. Levez-vous, allez travailler pour vous occuper de vos enfants. Parce que là, là, c'est chaud sur nous. On ne sait pas c'est quel médicament. Hein. Mais ce sont des soins, mais ma soeur. En tout cas, il faut traiter ce genre de sujet-là. Il faut laisser les gens qui parlent façon. Toi-même, il faut les laisser aussi. Toi-même, il faut les oublier. Avant... Ah, non. Attends. Il a coupé. Madame, tu veux trouver quelqu'un en train de faire son sujet, il est dans sa gamme. Et puis tu viens lui dire, faut pas parler de temps. Mais je parle pas de temps, pourquoi tu viens me dire de pas parler de temps? Mais t'as, c'est pas facile, hein. Oui, alors c'est moi qui t'ai coupé, si tu parles, si, faut pas venir me dire, faut pas, je vais parler de quoi? Pardon, je suis pas en train de parler de... Non, quand j'ai dit, faut pas parler. Non, faut même pas parler de ça, mais toi-même, faut oublier. Toi-même, faut oublier d'abord. Attends, toi-même, faut oublier d'abord avant de me demander d'oublier. Faut même pas, j'ai compris. Passe à autre chose. On est d'accord? Ok, on y va. Non, quand je te dis, ne parle pas de choses, c'est-à-dire que quand tu traites ce genre de sujet, nous, ça nous fait plaisir. Sinon, tu clashes, hein. Nous, on est derrière toi. Oui, mais faut plus parler de ça. Faut pas faire allusion, parce que quand tu fais allusion, c'est parler de. Ok, il n'y a pas de souci, ma soeur, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Pas de souci, en tout cas, ça te dit qu'on est ensemble. D'accord. Le sujet, là, franchement, depuis que je suis couchée à la maison, là, quand j'écoute, elle dit, hey, elle est en train de toucher nos poings la main. En tout cas, ça m'a fait du bien. Là, je suis en train de monter au travail, là, mon cher. Donc, on continue, je continue de t'écouter, mais c'est pour dire aux femmes, là, courage. Les enfants qui sont là, là. Par contre, Dieu a mis ça sur notre chemin. Bénédiction de ça, là, non. C'est nous ce qu'on connaît. Donc, on est dedans, ma soeur. En tout cas, prends courage. Bisous à la maman. Et puis, on est ensemble. En tout cas, ensemble. Ok. En tout cas, bonne journée. Bisous, bisous, ma soeur. Bisous. Ah, en tout cas, les hommes de France, pardonnez. Pardonnez. Si vous avez le projet de vous marier. Allô? Allô, bonjour, Edwige. Bonjour. C'est aujourd'hui que je dirais que je tombe sur ton direct. Pourtant, je ne te connaissais rien. Donc déjà, j'ai dit bonjour. Peut-être quand je t'écrirai un inbox, tu verras qui c'est. Tu verras mieux. Moi aussi, je suis ici, ça fait, je crois, 3 ans. Voilà. Donc, j'ai eu à côtoyer certaines personnes. Moi, je suis venue, j'ai fait le mariage coutumier avant de venir. Voilà. Mais c'était plus par rapport à ce que j'ai vu, pas forcément de moi-même. Donc, j'étais là à Christine, déjà merci pour l'opportunité que tu nous donnes de t'exprimer. Et puis ensuite, dire que je suis totalement entièrement d'accord avec toi du fait que quand tu as quelqu'un que j'ai oublié, ça ne sert à rien de venir donner et vendre les, je sais pas, de l'illusion, on dira. Parce que ce que les hommes oublient, eux aussi, ils auront des enfants, ils auront des filles. Et voilà. Donc, du coup, quand tu sais que tu vas engendrer et tu ne sais pas le sexe de quel enfant tu vas engendrer, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton enfant. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je veux leur rappeler que quand ils ont fait du tort à quelqu'un, le rêve humain, comme on le dit, savoir demander pardon et puis être un, c'est important. Tu peux avoir fait le mal pour le passé.
Est-ce que tu comprends? Mais mm-hmm. quand tu deviens parent, par exemple, après, il faut s'asseoir et puis se dire que ma fille, je ne sais pas, ou mes jumelles, ou mes triplés, ce sont des femmes. Demain, elles seront amenées à être mères, elles seront dans un foyer. Et le comportement que tu as peut-être avec ton conjoint ou ta conjointe peut te rattraper demain. Mm-hmm. Ça peut dire que tes enfants peuvent payer. Voilà. Donc, c'est ce que un peu j'avais à dire. Voilà. Sinon, je ne sais pas si j'ai dit mon statut sur ton vidéo, sur ton lac. Mais en ligne, moi, je te donnerai plus de détails. Mm-hmm. Ok. Joël Stéphanie Lago, un enfant coûte 184 euros. Non, je suis désolée, ça a diminué. Ça a diminué depuis longtemps. Depuis 2017, ça a diminué. Là, tu sais d'où? C'est une information qui n'est plus vraie. Ça a diminué, c'est devenu 171 euros. Un enfant de moins de 3 ans. La page, là, c'est 171 euros. Ils ont diminué. Mm-hmm. Pas 184 euros. Ça, c'était avant, les vieux, vieux enfants, là. C'était eux. C'était les vieux enfants, là. Je ne pense pas qu'on date de... Parce que ça a changé depuis 2017. Oui, c'est 2017, non? Si je crois bien, oui. Oui non, 2019. Non, en vrai, ça a changé depuis 2019. Je ne sais plus. Je pense que ça a changé récemment, mais je pense que c'est depuis 2019. Mmh. 2019, non. Mais 2017, je ne sais plus. En tout cas, ça a changé. Ça a changé. C'est plus 184 euros. C'est 171 euros. Voilà. Ça, c'est la page. Jusqu'à 3 ans. Donc, tu te trompes. Il faut aller sur Google. Tu as fait une remise à jour. Ça, c'était avant. Vraiment, où est passé Rotimi? Ça, c'est une belle question, hein. Princesse Audrey. Voici un aussi qui me manque, je ne le vois plus. Je ne sais pas si il m'a abandonné. Vraiment, même ça, c'est rien. Ça, je le dis, et voilà. Voilà. Même ça, c'est rien. Moi, je connais une de mes copines qui ne peut pas, parce que elle n'allaitait pas. Elle n'allaitait pas. Moi, au moins, si j'allaite mes enfants, voilà. Mes enfants sont au sein jusqu'à... Tellement, je n'aime pas faire biberon. Ça m'énerve de faire biberon. C'est la paresse. Donc, je ne paye pas de lait. Allô? C'est là. Oui, allô? Oui, Eddie, j'appelle encore. Celui qui dit que pour ces 184 euros, là... Mmh. Oui, on dit que ça a changé en 2019. Oui, ce que ça change ou ça change pas là, c'est quoi l'affaire? Donc ça veut dire que quand le papa mougou dans le lit et tout grossier sont là, c'est la carte qui prend en charge. Non, non, elle parle pas de ça. Avant de venir poser cette question à vous, avant de mettre ces commentaires, les papas n'ont qu'à assumer leur devoir d'enfant, n'ont qu'à s'assumer en France, n'ont qu'à aller travailler. Maintenant, ils sont 184 euros. Qu'est-ce qu'on a? 184 euros, on peut faire quoi à la maison? 184 euros, là, on peut faire quoi dans une maison? Quand tu veux acheter des habits pour tes enfants et tu achètes des bonnes marques, combien on peut dépenser? Arrêtez vos commentaires là. Non, elle parle pas de ça. Elle dit 184 euros là, même si le papa travaille, c'est un dû qu'on donne, non? Oui, c'est un dû. Mais le papa aussi doit compléter. Oui, il doit compléter, oui. Le papa doit compléter. Donc la CAF, ce qui dit que les femmes ne travaillent pas, c'est la CAF. La CAF nourrit pas nos enfants. Mais quand tu travailles, tu n'as rien de la CAF. Edwige, s'il te plaît, est-ce que toutes les familles touchent une allocation? Oui, en règle générale, oui. Mais il faut en faire la demande. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, je ne oui. reçois plus. Ah, on pensait que tu avais fini. On vous écoute. En règle générale, oui. En règle générale. Oui, il y a une limite. Attendez. Il y a une limite de comment on appelle ça? Il y a un barème, c'est selon les revenus. Voilà,
c'est selon les revenus. Et voilà. Donc, je sais que la page, quand même, la page, même si tu ne reçois pas la totalité, tu reçois au moins la moitié. C'est universel. Je ne sais pas si la loi a changé, ça peut changer. Je sais que c'est universel. C'est les allocations familiales qui sont différentes. Il y a la page à part, et puis il y a l'allocation familiale. Ce n'est pas la même chose. Il y a plusieurs, c'est découpé, il y a plusieurs demandes. Voilà. Il y a l'allocation familiale. Ça, c'est une allocation qu'on vous donne, quand, même quand vous êtes en couple, et qu'on voit que, voilà, si vous avez droit, ça dépend aussi de vos revenus. Mais la page, je sais que c'est un droit universel. Et quand tu as trop d'argent, je pense qu'on te donne la moitié. Je pense. Si je ne me trompe pas. Maintenant, pour l'allocation familiale, ça c'est une allocation qu'on donne aux familles pour, voilà, quand on voit qu'ils n'ont pas assez de revenus. Maintenant, il y a l'allocation de soutien familial. Ça c'est différent. Ça c'est en cas où tu es seul et que le père ne paye pas de pension alimentaire. Ça c'est l'allocation de soutien familial. Ça c'est autre chose. Ça c'est quand tu es seul. Il y a plusieurs, c'est séparé. Tout n'est pas dedans, un coup à la CAF, c'est on te donne un coup tout, non. Il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs droits, voilà. Il y a plusieurs, c'est séparé, séparé. Voilà. Donc il y a le cas où tu es seul, il y a le cas où tu es en couple, il y a le cas où tu travailles, il y a les gens qui travaillent, on leur donne prime d'activité. Parce qu'ils travaillent et leur salaire n'est pas assez. On rajoute quelque chose dessus pour avoir au moins, pour vivre décemment, pour avoir au moins, voilà, le minimum. Donc, les gens qui sont aux allocations, ce n'est pas beaucoup d'argent. Hey! En fait, quand les gens pensent que les gens font des enfants à cause de ça, je trouve qu'ils sont plus stupides. Plus que ceux-mêmes qui font des enfants, même par rapport à ça. Parce que penser que c'est à cause de ça qu'on fait un enfant, c'est bête. Et faire enfant à cause de ça, ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est quel modèle? Voilà. Donc, c'est... On appelle ça le minimal. C'est-à-dire que c'est petit. Mais il y a des gens qui pensent que c'est beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Ou bien... Voilà. Ils ne savent pas se faire plaisir. Ou bien... Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça permet aux femmes, voilà, d'être moins... Moi, je trouve que c'est une aide qui... Parce qu'on sait que le fait d'être à la maison avec les enfants, c'est du travail. C'est du travail. Puisque tu dois payer quelqu'un pour t'occuper de tes enfants. On s'est dit que si tu as un enfant, que tu es à la maison, que tu dois apporter une éducation à tes enfants... Au moins, on peut te permettre d'avoir un minimum pour vivre. Mais compter sur cet argent-là pour faire des enfants, c'est vraiment dommage. Et penser que les gens font des enfants pour ça, c'est vraiment bête. Parce que les gens qui sont en couple, ils ont droit. Il y a plusieurs aides. Voilà. Donc, les gens mélangent tout. Quand ils voient la CAF, ils te disent que tu n'es pas, tu travailles pas, c'est pour ça que tu as la CAF. Oh non, il y a des gens qui travaillent et ils sont à la CAF. Ils sont à la CAF. Donc, je ne sais pas ce que les gens... Il y a les gens qui sont assis, mais qui sont tenus par les CAF. Là, eux-mêmes, ils reçoivent l'appel. Appel, c'est la CAF qui donne. C'est la CAF qui donne. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il va expliquer ça aux gens, puis ils vont comprendre. Je préfère éviter d'en parler, parce que ça crée toujours des désordres. Voilà. Quand tu as parlé de ça, les hommes, c'est les hommes même qui aiment la CAF même plus que les femmes. C'est ton homme même qui va te dire qu'il faut, vraiment, c'est les choses même, je n'ai pas envie de parler de ça parce que c'est pas nécessaire d'en parler. C'est pas nécessaire parce que les gens pensent que c'est, au fait, je ne sais pas, c'est comme nos mamans qui sont au pays, on les voit se réveiller matin à 6h du matin. Non, elle se réveille à 4h du matin.
Elles vont s'occuper des enfants. Elles vont les apprêter. Elles vont les habiller. Ils vont partir à l'école. Elle va nettoyer la maison. Elle va préparer le petit déjeuner pour son mari. Et puis, elle va aller au marché. Elle va aller vendre jusqu'à... Elle va rentrer vers 18h. Les enfants sont déjà rentrés. Elle va venir préparer. Elle va donner aux enfants. Elle va les nettoyer. Elle va les faire coucher. Vous voyez, c'est un travail qui est pénible. On va prendre sa grossesse, elle va soulever Fago. C'est fatigant, c'est pénible. Voilà. Donc, c'est alléger le fait d'aller chercher l'argent et puis avoir toutes ces charges-là en plus. Voilà. Un homme, il quitte le travail, il rentre à la maison, il n'a plus rien à faire. Mais une femme qui quitte le travail, qui rentre à la maison, il y a beaucoup de choses à faire. Si tu dois t'occuper d'un bébé, tu dois aller au travail, tu dois venir nettoyer une maison, tu dois venir laver. Deux fois, tu prends un temps, c'est pour ça qu'on dit congé maternité, congé parental, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Voilà. Donc c'est tout ça pour soulager un peu le corps de la femme, pour la déstresser, pour la faire penser à autre chose, pour prendre le temps de s'occuper de son enfant et tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'appuyer dessus pour dire donc, voilà, je fais ça. Non, c'est juste un tremplin. Voilà, c'est juste, voilà, juste de ne pas stresser. C'est-à-dire que deux fois, tu veux aller travailler, mais tu n'as pas de moyen de garde pour ton enfant. Tu ne vas pas rester là à la maison avec ton enfant ne rien manger. Voilà. Donc, ils ont fait ça pour aider, voilà, les femmes. Parce que elle travaille doublement. C'est-à-dire qu'à la maison, mais déjà même les tâches ménagères, c'est du boulot. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si elle reste à la maison à ne rien faire. Non. Qu'elles soient à la maison, elles sont occupées. Elle doit nettoyer, laver, ranger. Elle doit faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Voilà. Et quand, maintenant, tu as les enfants sont à l'école et tout, que tes tâches sont allégées, tu retournes tranquillement au travail. Comme ça, ça permet à ton corps aussi de voilà. Ça permet aussi à ton organisme aussi. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, ils ont jugé utile, ils ont jugé bon de donner certains droits, voilà, par rapport aux enfants, parce qu'on sait que c'est des contraintes. Voilà. Et quand tu as plus d'enfants, c'est difficile de travailler parce qu'il y a plus encore de charges dans la maison. Non, ne passez pas votre temps à insulter les femmes. C'est le minima. C'est-à-dire que c'est le plus petit. C'est rien. C'est pas beaucoup d'argent. Elles font avec. C'est pas l'argent qui enrichit. C'est pas l'argent qui... Non. C'est ceux qui vont aller faire enfant à cause de ça. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez comprendre. Voilà. Parce que vous avez déjà une idée arrêtée. Quand on vous explique, vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas un enfant. Oui? Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas un enfant. Qui a dit le contraire? Personne n'a dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Si tu n'as pas d'enfant, tu ne fais pas enfant. Si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas enfant. Il n'y a pas de problème. Personne n'a dit le contraire. Voilà. Voilà. On a compris. Plus les enfants sont nombreux et plus tu t'en sors pas si tu n'es pas organisé. Mets ça dessus. Voilà, il faut une organisation, il faut des règles, il faut s'imposer des limites, il faut un budget, il faut un calcul. Voilà. Sinon, tu peux t'en sortir.
Vraiment, Zainab, merci. Est-ce qu'en Afrique, là, ceux qui font enfant, c'est celui qui a dit que quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas enfant. Là. Pardon, va en Afrique et puis tu vas prêcher la bonne parole. Va en Afrique, tu vas prêcher la bonne parole. Ou bien, c'est simple. Va en Afrique et puis tu vas prêcher la bonne parole. Parce que moi, je connais des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Hein? 9, 10. 7. En Afrique, même si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu as 3. Si tu n'as pas d'enfant, tu as 3. Là-bas, 3, c'est 0. C'est à partir de 4, on commence à compter 1. C'est à partir de 4, on commence à dire que tu as enfant. Sinon, quand tu as 3, c'est comme si tu n'avais rien. Voilà. Donc, le pauvre n'a pas aussi envie d'avoir la joie d'avoir un enfant. Non. Dis pas ça. Tout le monde a l'argent pour s'occuper de son enfant, même si c'est pas beaucoup, même si c'est un peu, ils arrivent à s'en occuper de leur enfant. On va pas choisir que ceux qui sont riches pour faire des enfants, puis les pauvres n'ont pas le droit de faire enfants. C'est pas logique. Donc, c'était un peu ça, le direct. On va se faire gros bisous. Donc, bisous. T'inquiète pas pour moi. Oh. T'inquiète pas pour moi. J'ai pris le chemin de je m'en fous. C'est ça, je me suis retrouvée au village de CSAV. C'est ça qui est là. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Oh non, ça n'a rien du tout. Voilà. Celle qui a réussi son coup, là, c'est la belle-mère. Elle voulait imposer une femme à son fils et elle a réussi. Il n'y a rien d'autre à rajouter, ni plus, ni moins. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, peut-être c'est business, peut-être c'est Ken, peut-être c'est quoi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense que c'est la belle-mère qui a reçu son coup. Oui, elle pensait... Elle pense que je suis assez débile pour être bloquée dans cette situation et accepter. Elle a fait un schéma pour moi. Elle avait des plans pour moi, ma vie. Voilà. Et je lui ai dit que c'est pas ça. Parce que eux, dans leur tête, là, moi, tellement je suis amoureuse, j'allais accepter cette situation-là. Voilà. Avec le nombre d'enfants que j'ai, avec l'âge que j'ai, avec voilà. Avec l'amour que j'avais pour leur fils, ils se sont mis dans la tête que j'allais accepter cette situation. Encore, c'est mal de me connaître. En fait, c'est le problème de penser à la place des autres. Voilà. Aujourd'hui, je refuse cette situation et ça les dérange. Ça les dérange. Donc, ils veulent m'humilier parce que je refuse cette situation. Voilà. Je ne marche pas en fonction de leurs pensées. Donc, bijou. C'est ça que je suis en train d'expliquer. J'ai résumé un peu pour que tu puisses comprendre que je ne marche pas en fonction des pensées de ma belle-mère. Voilà. Parce qu'elle, son programme dans sa tête, là, c'est que moi, je devais me marier avec son fils. Et puis, elle allait partir prendre une autre fille encore pour donner à son fils. Voilà. Parce qu'elle, elle doit donner une femme à son fils, forcée, coûte que coûte. Voilà. Si elle, elle n'a pas pu faire ça, c'est qu'elle a raté sa vie. Voilà. Donc, elle a réussi sa vie
Voilà. Elle a su s'imposer dans la vie de son fils. Et nous tous, on souhaite que ça soit que du bonheur. Voilà. Donc, on n'a qu'à laisser canter. Il va vivre sa vie qu'il a envie de vivre. Donc, Bijou, c'était ta réponse. Laissons canter. Il va vivre la vie qu'il a envie de vivre. Il sait que Edwige, c'est quoi? Il veut où? Il veut pas où? C'est quoi? Ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris. Et comme ça les fait mal, ils veulent démontrer que je suis mauvaise. Je ne cherche à plaire à personne. Voilà. Que je sois mauvaise, c'est pour moi. Que je sois bonne, c'est pour moi. En tout cas, c'est ma vie. Voilà. Je ne peux pas changer pour plaire à quelqu'un. Je fais ce que je veux. Ce que je veux, c'est ça qu'il fait. Il ne vit pas pour les autres, il vit pour moi. Donc, ce sont mes décisions que je prends pour moi. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ce sont mes décisions. Et je les assume. Voilà. Donc, Facebook n'a rien à voir avec ça. C'était un truc qui était déjà programmé, c'était déjà prévu. Mais c'est tombé au moment où il ne fallait pas et j'ai subi les conséquences. Sinon, ça n'a rien à voir avec Facebook. Voilà. Donne pas de la valeur à ce qu'il n'a pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, passez une très belle. Ah, il est midi, mais on va aller manger, non? Ou bien? On va aller manger. Gros, gros bisous. Et comme Edwige, je le dis toujours, à tout à coup, non? Chola, faut prendre... Non, c'est pas Chola qui a dit ça. Ramatou, faut prendre le numéro qui est épinglé là. Voilà, c'est elle qui va en manger. Faut prendre le numéro, tu vas appeler, elle va te livrer. Il descend par là. Non?